Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, un agréable week-end et que vous êtes frais et dispo pour reprendre demain dans la joie et la bonne humeur. Il y a déjà du monde sur le chat. Bonsoir Alex Nesnes, bonsoir Redman, bonsoir Historicode, bonsoir. J'ai vu aussi Ray le Cascadeur, salut Rapcoeur. Non, ce n'est pas un live Node Red, c'est bien un live robotique avec Barbatronic. Et avec ce soir un peu de CAO, un peu comme d'habitude, un petit peu de montage. Vous allez voir, j'ai reçu du matériel que je n'avais pas la semaine dernière et donc du coup ça fait plaisir de l'avoir cette semaine. Salut Mr. Friday, salut Fernand, salut Starcrawler. Et puis voilà, on va essayer d'assembler un petit proto ce soir, de commencer un petit peu aussi par le récap. J'ai deux, trois choses importantes à vous dire. Et puis c'est parti, on se lance. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Ralm. J'espère aussi que vous avez compris les nouvelles directives pour ceux qui sont confinés la semaine prochaine. Et que vous êtes serein avec ça. On va se lancer. C'est parti. Alors, comme d'habitude, référence et contexte, commande ref et commande contexte dans le chat pour pouvoir avoir l'ensemble des liens du live de ce soir, et je garderai un œil dessus pour essayer de pianoter si jamais on retrouve des choses intéressantes. Ce truc-là, vive fusion. Salut Kamikaze, salut Momot, salut Foxtrot, passe pas de changement sauf une heure de plus. Ah bah voilà, nickel. Salut JC Gros Pixel, salut Caillou. Salut Force Man, salut Arkel Ange, je sais pas pourquoi Salut Mojo. Alors on est confiné ou on n'est pas tout confiné? On est moitié confiné. J'ai la fibre, ça change tout. Ah bah voilà, t'auras plus de soucis pour visualiser le live. Salut Franlou14, salut Fricat France, comment ça va? Salut Lotharion, merci Benji Fox pour ton troisième mois d'abonnement, ça fait super plaisir. T'as le temps que vous arriviez. J'ai commencé sévère là, j'ai commencé vite les effets sur le récap et tout. Mais je vous laisse arriver quand même. Merci beaucoup en tout cas Benji Fox, ça fait plaisir. Salut Zacharis. Bon. Allez, je pense que... On a un peu de travail là ce soir sur le montage, et puis surtout on va faire des petits essais avec la découpeuse laser. Ce soir on a le droit au transcoding, et ben youpi, j'ai envie de dire. Vive le baby boom. Bon, je vois pas de quoi tu veux parler Alex, y a pas du tout de holonome dans le fond. C'est faux. C'est faux. Allez, zou, on se lance. Il y a deux annonces que je dois vous faire et après on se lance dessus. Salut Francky 4 doigts. Alors, première annonce, malheureusement, on s'en doutait un petit peu, mais c'est le report de la Coupe de France de robotique qui, du coup, est reporté au 7 et 10 juillet 2021. Voilà, parce qu'il y avait quand même très peu de chances que pour mai, la crise soit passée. Donc voilà, donc si jamais il y a du nouveau... Je vous en parlerai bien évidemment, mais bon, pour l'instant voilà, on est parti sur juillet. Donc nous ça change pas grand chose parce que les robots on continue de devoir les améliorer, etc. Mais par contre, du coup on va peut-être pouvoir commencer un nouveau proto. J'y crois pas trop parce que je vais avoir moins de temps, je vais vous expliquer ça juste après. Mais ça serait rigolo quand même de venir en juillet avec un robot holonome. Mais honnêtement j'y crois pas trop. Hein. Vous énervez pas. Mais ça serait vraiment cool. Voilà, 17 ou 10 juillet, bon bah écoutez, on essaiera d'être présent quand même, parce qu'on n'a pas pu être présent en octobre. C'est toujours un petit peu dommage de devoir décaler, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà, on va s'en accommoder, et on va souhaiter aux bénévoles et aux salariés de Planète Science qui continuent de préparer cette coupe, une bonne chance et bon courage pour tous ces préparatifs et tous ces trucs qui changent tout le temps, qui sont vraiment un petit peu embêtants. Salut la Farty, il y a du brochless avec. Ah non, bah non, tu sais que nous on est team pas à pas quoi. Voilà. Ton stream en fond pendant la réparation de PC. Ah cool. Eh bah écoute, bonne réparation de PC. 7 au 11 juillet, oui, 7 au 11 juillet. Bah il faudra dire que ça change là, hein, parce que c'est marqué du 7 au 10 juillet. Et d'ailleurs, je pensais faire un link vers la news, mais. Oula, j'ai pas trouvé le.
sur les news actualités, c'est suivez la coupe en direct, mais il n'y a pas le report qui est intégré dessus, donc c'est un peu dommage. Il y aura des saucisses. Parfait. Venez, il y aura des saucisses. Ça va être le démontage. Ah oui, c'est le 11 pour toi, Alfarty, du coup. Bon. Deuxième petite nouvelle, et alors là du coup, si vous êtes sur Twitch, vous allez pouvoir avoir accès au sondage dont je vais parler maintenant, sinon j'ai mis le lien à côté, c'est le changement de rythme sur le live. Il se trouve que je reprends une activité professionnelle et donc du coup je vais recommencer à travailler le lundi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je travaillais du mardi au samedi. D'où les lives le dimanche soir. Et donc là maintenant, je vais donc du coup adapter un petit peu mon rythme de live et ne plus faire de live le dimanche ou peut-être faire un live plus tôt. J'ai pas encore pris ma décision, mais du coup, ce que je vous propose, c'est de voter, de me dire un petit peu ce que vous pensez un petit peu de ce décalage, et surtout, quand est-ce que vous êtes prêt à regarder ces lives. Alors, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis vendredi, si j'ai mis vendredi à 22h, le samedi à 10h, ou un peu plus tôt, voilà, on verra bien, et en tout cas, le samedi dans la matinée, et le samedi soir, voilà, parce que c'est des horaires qui sont en début de week-end, et donc du coup moi pour moi c'est un peu plus sympa, et c'est voilà, l'idée c'est que je prenne un peu la température. Si vous me dites que voilà, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que c'est complètement embêtant, est-ce que ça fonctionne aussi ce que j'ai mis en place, parce que du coup j'ai même pas regardé si le pôle fonctionnait. Attendez, parce que là du coup si le pôle fonctionne. Hop, voilà. Yes, du coup ça commence à voter, super. Du coup voilà, donc dites-moi ce que voilà, votez pour voir un petit peu ce que vous préférez, donc vendredi, samedi, déjà le samedi matin, je sens que ça va être un problème. J'aime bien quand même le créneau du matin, parce qu'honnêtement je regarde les lives des autres le matin, bizarrement, mais bon. Ah, c'est plutôt le vendredi hein, que vous regardez les trucs, forcément c'est fin de semaine, vendredi et le samedi je pense. On va laisser tourner ça, j'essaierai de vous le rappeler, voilà, si c'est pas moi, ce sera le bot, si est bien configuré, sinon ce sera les modos, enfin voilà, n'hésitez pas, le sondage il est en dessous, c'est-à-dire que si ça t'es sur Twitch, t'as le bandeau Twitch, regarde, on va faire un truc, hop, zou, voilà, il est là, c'est-à-dire que moi je suis là, et le sondage est en dessous ici. Voilà. Je vais le laisser jusqu'à la milieu de semaine prochaine, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc sur twitch.tv/barbatroniclive, vous regardez, vous votez, vous me dites ce que vous en pensez, et puis voilà, et puis ça va bien se passer. Donc voilà, donc nouveaux horaires. C'est pas dit qu'on reviendra pas sur le dimanche, d'ailleurs, c'est pas dit que je garde pas le dimanche et que je décale à 21h, c'est juste pour prendre la température. Bonsoir Fredo, bonsoir Captain Igloo, vendredi, samedi soir. Bah vas-y, vote Captain Igloo, comme ça je vais pouvoir l'avoir. Et c'est bien, mais bon, on se regarde Koh-Lanta. Excellent. Mais il n'y a pas plusieurs choix possibles. Ah mince. C'est... Oui, bah mettez celui que vous préférez, vraiment, le plus. Disons que c'est pas forcément un sondage... Enfin, j'aurais dû mettre les trois. Attends, est-ce que je peux le modifier? Personnaliser, gérer, analyser sondage. Ah, je peux pas le modifier parce qu'il a été mis. Oui. Ah. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais le refaire pour dire. Ah oui, mais je peux pas dire les trois. Vos dispo pour les lives. On va mettre vendredi soir, comme ça, hein, samedi soir, aucun, tous, pas le matin, ah oui mais... Pas le matin ou non, le matin ou le soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais alors du coup ça va faire beaucoup quoi. Puis il refait un doodle en inframa. Samedi matin c'est fait pour dormir. Ce
Salut Philippe Minerve à voter. Bon, écoutez, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Au pire, si jamais je vois que voilà, il y a une trop grosse différence, on verra bien. On verra bien. De toute façon, on va essayer. Je vais essayer en fonction de ce que ça va me réserver. Et puis, on verra. Ouais, vous êtes plutôt le vendredi soir. Ou... vous n'êtes pas du matin, en tout cas. C'est ce que je vois. Du coup, vous voyez, c'est pas mal. Merci, Youssef. Donc, je vois à peu près que vous n'êtes pas du matin. Je vous ai mis 10 heures, pourtant. Hein. Je vous ai mis 10 heures. Je travaille le samedi. Ah ouais, c'est pour ça. C'est parti. Prochain business meeting. Puis on se fait un doodle. Ouais, ouais, je le remettrai. Quoi, les trois en même temps, ce n'est plus un choix. Non, mais c'est pas grave. Mettez celui qui vous... Vraiment, j'ai besoin de savoir ce qui vous plaît le plus, même si c'est les trois, même si c'est deux. Voyez ça comme un vote très classique, en fait. Bon, je vous laisse dessus, mais voilà, ça montre juste que vous n'êtes pas du matin. C'est déjà hyper intéressant. Ce matin, je me suis réveillé à 11h30, alors 10h. Bah, c'est pas grave, tu prendras le live en route. Ok, bon, ça, c'était pour... Voilà, ce petit point fait, et du coup, attendez, je remonte là, parce que j'ai raté des trucs. Ah oui, Stéphane Lou, c'est quoi ce taf? Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous en parlerai. Quand ce sera vraiment effectif, voilà, quand je serai sûr et tout ça, et on en parlera ensemble du coup au prochain live. Comme c'est pas voilà, qui peut que normalement c'est bon, mais que voilà, officiellement aujourd'hui j'ai pas commencé. Je préfère vous en parler quand j'aurai commencé, et ça sera beaucoup plus simple. Salut Hippo Femme Maker, comment ça va? Oui, mais cours, ce truc avec le couvre-feu reste sur le soir. Surtout le soir, ouais, effectivement, effectivement. Effectivement, Fernand. Salut Clément Clarisse. Alors, du coup, je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon, bah écoutez, on va se lancer sur le contenu du live, parce que du coup, il y a quand même pas mal de... Ah, le vendredi, vous êtes... Je regarde un petit peu à chaque fois. Le vendredi, c'est pas mal, hein. Le vendredi, c'est fin de semaine, vous avez envie de décompresser un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui stream le vendredi, hein, quand même. Après, modéliser le tissu. Ah ouais. Ah, classe. T'as fait ça dans quel logiciel? Salut Zéro. Salut Avatar. Salut Totof. Vous faites quoi ici? Alors là, pour l'instant, on discute un peu, mais là, on va se pencher sur un petit système holonomique pour nos robots de la Coupe de France de robotique. Et tiens, d'ailleurs, je me demande si... Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Le vendredi jusqu'à 21h. Ah bah, je commencerai à 22h, Redman, tu vois. Nickel. Clo? Ah, je connais pas, Hippo. Alors, résumé de ce qu'on avait fait la semaine dernière. La semaine dernière, on avait commencé à travailler sur ce qu'on appelle les roues holonomes. Alors, je vais réouvrir un petit peu notre roue omnidirectionnelle qu'on avait choisie et sur laquelle on voulait travailler. Merci, Zéro. Voilà, donc je vous avais dit que j'en avais commandé cette roue holonome que je n'avais pas reçue, malheureusement, que j'ai reçue. Donc, on va pouvoir la voir et un peu voir à quoi elle ressemble. Et on voulait l'utiliser pour nos robots de la coupe, donc faire un robot holonomique, un robot qui peut se déplacer en translation. Et notamment, je voulais réaliser une roue, pas avec seulement deux rangs, mais avec trois rangs de galets pour avoir une meilleure adhérence et avoir au moins deux galets qui touchent à chaque fois le sol pour voilà, garantir une adhérence au sol et un point de contact au sol d'au moins deux galets. On avait commencé un peu une modélisation sur FreeCAD et ça a été un petit peu, l'enfer la semaine dernière dessus. Bref, on était arrivé sur un résultat où je devais tester une pièce avec un petit roulement, etc. Et finalement, j'ai tout repris de zéro cette semaine et j'ai refait complètement l'ensemble des modèles. Du coup, on va se réouvrir ça. Hop, et voilà. Où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas fini, on va finir 2-3 trucs ce soir, je vais vous présenter ça. Et je vais vous présenter aussi les roues que j'ai reçues. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on commencerait pas par les roues directement? Ouais, bon, je vais vous présenter les roues directement, ça sera plus intéressant sur l'atelier, et après on passera à la modélisation, ça sera un peu mieux. L'holonome, c'est l'avenir du futur.
Je t'envoie un screen sur Discord. Tu verras, il y a une partie faite pour la laser. Ah, ok, ok. Oh, bah, j'ai bien envie d'aller voir ça. Je regarderai ça. Cool, clos. Ok. Alors, eh ben, on va voir ça tout de suite. Allons, c'est parti. Hop. Voilà. Regardez, il y a plein de pièces. J'ai imprimé toutes les pièces. On va pouvoir les assembler, mais on verra ça après. Et donc, voici. J'ai fait des assemblages de base. Voici une roue, les roues Holonum. Alors, je ne les ai pas reçues comme ça. Normalement, elles sont assemblées avec un petit, une petite entretoise entre les deux. Voilà. Donc, on a ça, voilà, qui vient comme ça. Et donc, on a ces roues, voilà, qui peuvent se séparer, qui peuvent se désassembler. Donc, comme ce qu'on avait vu la semaine dernière, avec 6 trous de fixation au centre, les 5 galets, et donc la possibilité de les mettre pour que en fait, ce soit décalé de 60 degrés, je crois. On avait calculé ça la semaine dernière à chaque fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça dit ? Bah, pas grand-chose, en fait. Hein. Vous avez votre roue qui est en fait composée de 3 plaques. Donc, une plaque supérieure, une plaque intérieure et l'autre plaque qui est exactement la même que la plaque de l'autre côté. Tout ça, c'est rifté, voilà, ici. Et vous avez des galets qui roulent librement. Voilà. Je t'ai aussi envoyé un truc pour la fin de ton live avant de terminer. Ah, ok. À voir avant de terminer. Ah, ok, d'accord. Bah, faudra que tu me le rappelles alors. Donc voilà. Donc, on a ces galettes là. On a ces petites entretoises. Et moi, j'ai déjà fait du coup un premier essai de montage pour voir si ça marchait. Ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'était fonctionnel. C'est-à-dire prendre les entretoises que j'ai démontées de toutes mes roues là que j'ai commandées et les assembler de telle sorte qu'on ait tous les galets qui suivent à chaque fois et que à chaque fois on ait deux galets les uns en face des autres. Voilà. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement on avait une stabilité quand même qui était accrue quand on faisait rouler la roue Holonum, mais que on avait, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on a un peu de jeu. Voilà, sur les galets. Alors Alex me disait que Alex Nesnes me disait qu'en fait ce jeu c'est quand même ces roues là, c'est les roues qui en ont le moins de jeu. Et du coup, bon, je suis pas trop mal tombé en termes de qualité, mais il y a quand même ce petit jeu qui fait que ben on n'est pas parfaitement aligné, on n'est pas parfaitement circulaire. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va pas jouer? J'en sais rien du tout. Faudra qu'on essaie jusqu'à la fin. Je sais que bon, voilà, ces roues-là, elles sont quand même pas mal utilisées dans plein de projets, donc il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Néanmoins, voilà, on sait que il y a ce petit souci. Que dire d'autre? Bah, pas grand-chose. À part que du coup, pour refaire ma modélisation, j'ai dû, bah, en premier lieu, remodéliser en fait toute cette galette, une seule galette, pour pouvoir faire mon assemblage. Et ensuite, bah, on parlera du reste, parce que du coup, forcément, j'ai un peu continué. Alors, hop, on va revenir ici, je vais rouvrir. Du coup, nous n'avons pas eu à la réaction des entretiens sur le plan, ça passait pas. Si, on va en reparler, mais effectivement, il y a eu des trucs à faire. Est-ce que c'est celle-là? Yes. Tiens, c'est pas mal ça. Ah oui, non, c'est bon. Ouais, alors en fait, Force Man, t'as raison de le préciser. Je vais revenir sur l'atelier. La semaine dernière, on avait peur que ça passe pas, et en fait, ça passe très légèrement. Enfin, ça va, ça passe très légèrement. Mais c'est pas fou, voilà. Et il faudrait pas qu'on soit à 0,5 mm en dessous, parce que sinon, voilà, les deux roues frottent. Donc ce que j'ai fait pour mon modèle à moi, les entretoises, elles font 1 mm de plus. Voilà, en épaisseur. Comme ça, voilà, on est tranquille. Il a fait les rivets. Oui, bah bien sûr que j'ai fait les rivets. Attends. T'es fou. Bien évidemment. Alors, je vous montre vite fait comment j'ai fait ça. Du coup, j'ai d'abord commencé par le main plate, donc la partie centrale, là, où, effectivement, j'ai repris les plans qu'il y avait sur Internet, plus quelques mesures à moi. Honnêtement, il y avait juste cette partie-là, ici, qui n'était pas vraiment cotée, où j'ai dû reprendre des mesures, et quelques mesures qui n'étaient pas exactes. Sinon, pour tout le reste, le plan était plutôt bon. Je dois reconnaître que, de ce côté-là, on aurait presque pu les modéliser sans, avec quelques petits ajustements, honnêtement. Ensuite, bah, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait les rollers, hein, tout simplement. Alors, les rollers, bah, c'est assez simple, hein, j'en ai fait un, et ensuite, j'ai dupliqué tous les autres, hein, voilà. Donc, il n'y en a qu'un seul qui... les autres sont des liens, en fait,
vers le premier galet. Donc ça a été assez simple également. Je me suis pas embêté à modéliser l'intérieur parce que j'ai pas pu démonter en fait un galet pour voir comment c'était foutu. Mais ça pourrait être intéressant de le faire. Et effectivement, je me suis amusé à faire les rivets. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'honnêtement, les rivets, on s'en fout un peu. Hein. En vrai, on s'en fout, oui et non, parce que comme du coup je garde pas la roue telle qu'elle est assemblée pour en faire quelque chose, mais je viens me fixer dessus avec des éléments, il y a un moment où fatalement, peut-être que les rivets vont m'embêter si jamais je veux faire un truc un peu spécifique sur ma roue, pour me fixer, pour mettre un galet, pour mettre une courroie ou ce genre de choses là. Donc je préfère les modéliser. Là, merci, Skilly Prophecy. Là, honnêtement, je me suis fait un peu plaisir à modéliser les rivets, même si c'est pas vraiment correctement modélisé. Ça y est, et les diamètres et les écartements sont... Voilà. Donc si jamais on veut vérifier quelque chose, on sait que le modèle, il est bon. Bonsoir, Rosalind. L'anomie, c'est l'utopie réaliste de la dystopie. Mon Dieu, ah oui, t'es parti là-dessus. J'aurais fait pareil, le souci des tailles, c'est le petit truc en plus. Ouais, et puis en plus, ça fait beau. Bref, et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à modéliser d'autres pièces, notamment l'entretoise. Alors, pour l'entretoise, je vais aller l'ouvrir. C'est Spacer Equipped. Ouais, voilà. À la base, vous vous souvenez, on s'était dit qu'on allait... merci Top Clean, bienvenue à toi. Qu'on allait intégrer les roulements à l'extérieur de la roue. Notamment, j'allais partir sur du 608. Voilà. Ces roulements-là, des roulements que vous trouvez si vous faites du skate ou du roller. Hein. Bref. Donc 22 extérieur, 8 mm intérieur. Et on avait modélisé cette partie-là qui devait venir... que j'ai imprimé, hein, sur l'extérieur de la roue, avec le roulement à l'intérieur. Bon, ça m'a saoulé un petit peu, ça me plaisait pas trop, donc je sais plus qui est-ce qui avait dit roulement à l'intérieur, sinon, et effectivement à l'époque j'avais dit oui, mais j'ai pas les roulements qu'il faut, et en fait finalement, je les avais, j'ai farfouillé, je me suis dit tiens c'est quoi, donc c'est des MR148, voilà, donc c'est ces roulements-là, et donc 148, donc ça veut dire 14 de diamètre extérieur, 8 mm de diamètre intérieur et 4 mm d'épaisseur. Et donc du coup, je les avais et du coup j'ai refait ma modélisation pour que ces entretoises-là intègrent les roulements de chaque côté à l'intérieur. Voilà. Comme ça c'est plus propre, les roulements sont dedans, c'est un peu plus petit et on pourra aussi en mettre de l'autre côté. Je vais les ranger, hop. Comme ça ils vont pas trop prendre la poussière. Et donc ça m'a amené à cette modélisation si donc mon entretoise, voilà, je vais y arriver, mon spacer avec mon roulement, voilà, et de l'autre côté des montages avec des inserts, et je vous expliquerai après pourquoi. Salut Gibarto, parce que on a toujours besoin d'inserts bien évidemment, mais c'est pas uniquement pour ça. Alors je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Et fort de ce truc-là, j'ai terminé avec, je vais y arriver, la poulie 28 dents, voilà, qui vient en fait sur l'extérieur et qui, elle, n'intègre pas encore de roulement, mais après les 2-3 impressions que j'ai faites, je me suis dit que ce serait pas mal quand même qu'on en mette un. Enfin, on va voir, on va assembler le proto, puis on verra si c'est besoin ou pas. Non, c'est pas la peine d'expliquer. Toujours besoin d'insert. Bref, et du coup, voilà, je suis arrivé à cet assemblage là. Alors, un petit truc aussi, c'est que pour l'assemblage, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça se voit bien avec l'Omni Wheel. J'ai testé le module Assembly 4. Que j'avais pas du tout encore testé ou très peu testé en fait sous FreeCAD. Le module Assembly 4, c'est un module d'assemblage qui fonctionne en fait qui est plus un module d'assemblage basé sur de la conception squelette et sur l'assemblage de repères. En gros, vous allez définir des repères à certains endroits du modèle et assembler deux repères les uns ensemble.
Voilà. L'idée, en fait, c'est merci Père des Rois, c'est de dire de, je fais coïncider ce repère-là avec ce repère de cette pièce-là. Voilà. Je les oriente correctement, mais ce repère-là et ce repère-là sont voilà, sont liés entre eux. Et donc, comment ça se passe? Comment moi j'ai fait? Qui est peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon. Voilà, je suis encore en train d'expérimenter ce module. C'est que, bah, par exemple, ma roue, ici, je lui ai mis plusieurs repères qui me permettent de, d'effectuer mon assemblage. J'ai mis des repères à sur le front et le rear, donc à l'avant et à l'arrière, pour la visserie et pour le centrage. Voilà. Et ensuite, voilà, tous ces assemblages, tous ces repères, maintenant, je les ai ici, voilà, j'ai LCS, donc j'ai le repère rear, le repère front, l'ensemble des repères des vis, voilà. Et une fois que c'est ça, je vais pouvoir les faire coïncider avec, si j'ouvre le spacer, voilà, avec les repères qui sont ici. Voilà, ces repères-là, et alors pas ces repères-là parce que je les ai pas mis, j'en ai pas eu besoin, mais en tout cas, voilà, ils sont présents. Et donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, dans ma partie assemblage, bah j'ai tous mes systèmes là qui sont emmanchés avec chacun leur repère. Et je dois dire que ça marche pas trop mal. Le truc, c'est que je sens bien que Assembly 4, c'est plutôt fait pour s'assembler sur des sketchs et pour pouvoir après faire de l'animation. C'est-à-dire que si vous avez un assemblage qui est figé, comme moi c'est le cas, en fait, la roue, elle va pas se désassembler en route. Voilà, c'est pas le but, elle fait tout tenant d'un bloc. Je pense qu'Assembly 4, c'est un peu too much. Voilà, typiquement, avoir utilisé Assembly 4 pour faire tout ça, je pense que c'est un peu trop. Je pense que c'est peut-être pas utile, parce que c'est vraiment un peu trop, genre on aurait pu faire autrement. Mais néanmoins, ça me fait plaisir parce que du coup, j'ai pu mettre la main un petit peu sur le logiciel, sur le module, et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Tu sais que tu peux faire des animations. Oui, ouais, bien sûr, ouais. En fait, on va animer des variables, effectivement. Ouais. Ajoute la courroie et on vérifie. Ah ouais. je sais pas si on peut véritablement animer une courroie. Honnêtement, je me demande si j'ai déjà vu même un logiciel de SAO où on voyait la courroie qui tournait. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça. En vrai, hein, en vrai. Salut Matmeka, la roue holonome. Donc voilà, donc, ouais, Assembly 4, c'est pas mal. Et ça me fait plaisir, du coup, de modéliser un système un peu complexe avec ça. Mais clairement, là, je pense que c'était overkill. Bref, du coup, j'ai aussi modélisé le moteur, parce que faut pas déconner. J'ai modélisé la petite poulie, là, au-dessus, là. Et puis j'ai continué à l'assembler, à le positionner, etc. Donc maintenant, on a notre système. Je vais baisser un tout petit peu mon son. Voilà. Que si, il y en a pléthore sur SolidWorks. Où la courroie, elle se déforme. Tu as oublié l'étiquette haute surface sur le moteur. Je l'ai pas. Ah, je l'ai pas, hein. Attends, où est-ce qu'il est mon moteur? Regarde. J'ai pas d'étiquette. Donc si j'ai pas d'étiquette, je la modélise pas. Eh oui. Pour le moteur, tu vas même pas utiliser GrabCAD. Non, parce que je voulais le refaire. Parce que en fait, ça me fait manipuler le logiciel au final. Donc c'est pas plus mal. Et puis en plus, avec le Assembly 4, j'avais envie de voir un petit peu comment je pouvais réfléchir un modèle. Voilà. Dans une phase où je suis toujours en apprentissage du logiciel, je préfère faire un maximum de choses parce que ça me permet de par expérience, de faire des modèles des fois qui sont simples, mais du coup de me confronter à certaines choses du logiciel, à certaines logiques, et du coup d'aller plus vite pour des pièces qui seraient un peu plus complexes. Notamment, refaire des pièces qui existent dans la vraie vie, c'est un bon moyen aussi de tester un logiciel et de voir un petit peu comment il fonctionne. Voilà, c'est un passage obligé, surtout sur un logiciel de SAO. Du coup, tu n'as pas utilisé d'esquisse squelette. J'ai une... Alors, en fait, toute cette partie-là, ce ne sont pas des esquisses squelettes. J'ai une esquisse squelette qui est la hauteur du moteur. Voilà, qui est motor position, ici.
Voilà. Donc là, par exemple, je suis à 68. Si je passe à 70, voilà, le moteur, lui, suit et il monte. Voilà. Et cette ski squelette, elle est intéressante parce que dans mon cas, en fait, ce qui va vraiment varier, ça va être selon la courroie que je vais prendre et la hauteur du moteur que je vais vouloir avoir. Alors, le moteur, il y a des trous oblongs, donc on peut régler un petit peu la tension. Maintenant, clairement, c'est pas... Enfin, je veux dire, j'ai pas fait un réglage de 10 mm, quoi. Donc... cette esquisse squelette là, c'est peut-être presque la seule qui était intéressante dans mon système, quoi. Au final, tester les bugs aussi, ouais, carrément. Que des coïncidences de repères. Donc, du coup, non, ouais, effectivement, il y a eu les deux, coïncidences de repères et cette esquisse là. Voilà, parce qu'en fait, finalement, c'est le seul truc qui m'intéresse. Voilà. Plaisir de faire des pièces un peu simples, on peut faire plus de temps pour s'attacher aux détails. Ouais, carrément, regarde, j'ai même fait le petit support et tout. Non, je me suis fait plaisir, et puis il y a des choses qui vont être fixées sur ce moteur-là, donc c'était intéressant. J'ai essayé aussi Assembly 3 avec ce modèle, et honnêtement, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment compliqué, donc du coup, j'ai abandonné. J'ai essayé aussi de l'assembler à la main, et il y avait des choses qui passaient pas, qui m'embêtaient un petit peu. Oh, tiens, mon téléphone qui est en fort. C'est jamais arrivé. Voilà, coupons ça. Donc bref, voilà. Donc Assembly 4. Écoutez, pour l'instant j'en suis plutôt content. Après, je sais pas quand je vais commencer à assembler des choses très grosses dans le robot si je vais pas changer de stratégie. Voilà. Peut-être ce truc-là, il va. De toute façon, ce truc-là, vous savez qu'il va péter. Hein. Vous savez qu'à un moment, je vais tout faire exploser. Je vais dire non, mais je recommence tout à zéro. C'est clair. Alors, du coup, ce qu'il nous reste à faire, parce que le bloc à l'avant-arrière, il est imprimé, toutes les pièces intérieures sont imprimées, cette partie-là, elle est imprimée, même si, honnêtement, il faudrait que je la repère, c'est pas très très propre, donc, mais on l'utilisera pas ce soir, parce que j'ai pas de... Ah, est-ce que j'ai une courroie? Non, j'ai pas de courroie de cette taille-là. Enfin, sur mes anciens robots, mais il faudrait que je recalcule la dimension de la courroie, donc, fatalement, non. Et, par contre, il y a cette plaque-là, que j'ai décidé de faire en 5 mm acrylique. 5 mm acrylique, je ne l'ai jamais découpé avec la K40, donc on va essayer ça. Je ne sais pas si ça va marcher, honnêtement. Je suppose que oui, on va réussir quand même à découper à l'intérieur, mais on va devoir tester les réglages. Et normalement, j'ai deux plates qui viennent sur les côtés, en fait, les carters, pour assembler tout ça. Voilà. Et ça, je ne les ai pas encore dessinés, donc on va le faire tout de suite. On va dessiner ça, et puis après, on va passer à la découpe laser. Et puis ensuite, bah, on va déprocesser, on va fixer tout, toutes les pièces que j'ai imprimées. Assembly 4, c'est l'avenir de Assembly 3 et Freecan. Ou c'est autre chose? C'est autre chose. C'est une autre manière d'assembler, en fait, pour le coup. Ouais, c'est une autre manière de voir. Ouais. En fait, Assembly 3, il va te dire, j'ai un tube, t'as un autre tube. Pourquoi je prends des tubes en exemple? J'ai une pièce plate, je veux qu'une autre pièce plate soit en contact dessus, je vais faire un contact plan. Voilà. Bah si, avec un tube. Je veux qu'un tube soit concentrique à un autre tube et qu'il soit contre un plan. Je vais dire, c'est concentrique entre ces deux trucs-là et je vais les mettre sur le plan. Assembly 4, lui, il s'en fout que ta pièce, elle soit carré, triangulaire, on s'en... Voilà. Il va juste dire, t'as un repère à un endroit, t'as un repère à un autre. Ils sont liés et ils sont orientés par rapport à d'une certaine manière. Mais voilà, ils sont liés. Que ça rentre en contact, que ce soit une liaison mécanique, pivot, machin, etc. Il s'en contrefout, lui, ce qu'il veut, c'est des points, des repères. Voilà. Et des orientations. Une vis et un insert, par exemple. Toi, Barba, tu n'as pas été voir mon tuto annexe. Non, je n'ai pas été voir tous les tutos. Non. Assembly 3, contrainte mécanique, assembly 3, coïncidence de repères. Voilà, exactement. Salut FlyMig88. Donc, maintenant que c'est fait, alors comment est-ce qu'on va faire cette pièce-là? Donc, j'aimerais bien continuer à utiliser Assembly 4, ce serait pas mal. On va essayer, si jamais je vois que c'est la galère, on fera autrement. Donc je vais créer une pièce qu'on va appeler Carter. Du coup, ça ressemble un peu à Fusion, effectivement, je suis assez d'accord. Parce que Fusion, t'as cette notion de point. Bon, je vais mettre carter. Même si c'est pas un carter, en fait. T'as cette notion de point, effectivement, dans Fusion, que t'assembles entre les deux, et je trouve ça intéressant. Sauf que là, c'est toi qui mets les points, et c'est toi qui mets tes repères. Voilà. Alors, on va l'activer. Est-ce que je peux faire...
Oh, attendez, on va faire un truc très dégueulasse. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, ouais, on va faire ça. C'est pas très propre, mais bon. Comme ça va changer. Oh yes! Voilà, c'est bindé. Si j'enlève l'assemblage, bah, magnifique! Impeccable! Bah, franchement, on va pas s'embêter. On va ajouter toutes les géométries. Ah, à chaque fois, je vais ajouter géométrie, boum. Et comme ça, on sera tranquille. Voilà, on va cacher le binder. Ah bah nickel! Pouf, franchement, on va pas s'embêter, hein. Ça sera pas une propreté absolue. Mais vu que tout ça c'est vraiment pour mon assembler notre test. Ah bah ce sera largement boss point à equal. Pourquoi tu me dis ça? N'importe quoi. Salut! Comment va la famille, le chat, la voisine? Ça va, écoute. Ça va, ça va. Très bien. Ah, la voisine, elle s'en va. La voisine déménage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais la voisine déménage. C'est marrant, ça. Là, il a du mal avec l'accroche de ce truc. Oh, et on va presque le faire en une seule esquisse. Voilà. Comme on est dans du prototypage rapide, là, on va pas se prendre la tête. On va juste mettre. Parce que là, je l'ai fait sans les chanfreins. Donc, on va mettre nos chanfreins. Voilà. Boum, boum. Vous voyez, je fais presque plus l'erreur de pas prendre la bonne, le bon truc de cote. Par contre, pourquoi? Ah oui, pardon. Pardon, Fricade, j'ai pas vu. De prendre le mauvais outil de cote. Combien je vais lui mettre là? Allez, 5. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bouge là? Ouais, c'est ça. Hop. Et là, c'est cette partie-là. Ok. Nickel, voilà. Ah ben c'est impeccable ça. Oh, on va faire les encoches directement pour le coup. Elle était sûrement jolie. Nous n'irons pas sur ce sujet, bien évidemment, les amis, vous le savez bien. Ce n'est pas. Oula. Ce n'est pas le but de ce live. Pour ça qu'elle part. Non. Non. Bah non, en plus, c'est vrai que le gros avantage d'avoir une pièce extérieure, c'est que t'emmerdes ni ta famille ni tes voisins, quoi. Si je fais ça, il va. Oh oui, contrainte, bien sûr. Mais moi, la contrainte d'égalité partout. Comme ça, je suis tranquille. Donner 10 cases en pleine nuit, tu vas demander si le nouveau voisin est sous. Blâme. Alors, nous, on va utiliser du 3 mm sur les côtés. Tu nous fais part de ta déception. Bah, non, c'est une information. C'est-à-dire que la prochaine fois, peut-être que je vous dirai, oh, les voisins, parce que du coup, ce sera peut-être des voisins. Alors, les voisins, ils sont chiants, ils veulent pas que je fasse de disqueuse à 3 h du mat. Voilà, comme ça, vous comprendrez. Vous ne serez pas en train de dire, ah, mais c'était pas une voisine. Vous vous en foutrez. C'est possible aussi. Alors, boum, on va sur Assembly 4. Alors là, on va lui dire Create a Datum Object. Oui, on va en faire qu'un seul. Parce que j'ai pas besoin d'en faire 18 000. On va faire Screw Top Left. Left. Voilà. Et le Screw Top Left. Ah, merci. Pourquoi il me l'a caché? Ah, attendez, il veut me le mettre. Je crois que j'ai pas sélectionné le bon truc. Ouais. Il m'a sélectionné assemblage. Moi, je veux qu'il me sélectionne. Ouais. Attends, désactiver. Voilà. Activer. Ok.
j'étais dans le mauvais truc. Screw, top, left. Ah, voilà. Donc, top, left. Voilà. Ça, c'est la partie left. Top. Voilà. Et c'est une vis. Et je vais lui dire que ce repère-là, il est concentrique. Et vous voyez, là, hop, il me met un petit repère. Alors, c'est intéressant parce que ce repère, vous pouvez l'orienter aussi, si jamais vous voulez qu'il s'oriente d'une certaine manière. Bon, nous, il est très bien comme ça, donc on va pas le changer. Vous pouvez mettre... Merci, TEDxSuite. Vous pouvez mettre plusieurs repères à certains endroits. Vous pouvez mettre un repère qui prend plusieurs comment dire, références et faire des repères un petit peu complexes par rapport à ces références. Ça marche plutôt bien pour le coup. Et du coup, si je fais OK, voilà, j'ai ce repère qui est ici. Et toujours pareil, dans les propriétés, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si j'ouvre mon moteur, ça sera beaucoup plus clair là-dedans. Moteur, voilà. Sur le moteur, regardez, j'ai un repère, qui est mon repère principal en fait, qui est le centre de mon moteur, voilà, la référence de mon moteur. Et ce repère-là, je lui ai fait afficher les lettres, les symboles, X, Y, Z, voilà. Et je lui ai donné une taille un peu différente. Donc ça, c'est intéressant, parce que des fois, vous avez des... voilà, les petits repères qui sont ici, ils n'ont pas besoin d'être super grands pour les vis. Mais par contre, pour un centre d'un objet, ça peut être intéressant de le modifier. Donc par exemple, où est-ce que ça se fait, ce truc-là? C'est dans vue, ici. Vous pouvez définir le fait que... bah, hop, les labels, ils sont visibles ou pas. Trou, voilà, ici. Et la dimension. Donc, si je fais 5, ça veut dire que là, je l'aurai toujours, à cet endroit-là. C'est purement pour visualiser, mais c'est intéressant parce que des fois, sur certains trucs, bah, on a besoin de très rapidement visualiser où est le centre d'une pièce, ou le repère, ou le repère principal, ou n'importe quoi. Et comme vous pouvez sélectionner le repère quand vous allez faire l'assemblage, des fois, c'est un peu plus intéressant. Pour plus de raisons, je conseille de poser les SCS sur l'esquisse et non pas le solide. Ah, l'esquisse du modèle. Ah, c'est intéressant ça. Parce que tu penses que ça peut péter? Sinon? D'accord. Alors attendez, bah, on va essayer. Il est généré. On va activer le, on va désactiver le pad et activer le sketch. Et donc du coup, hop. Top left. Par contre, voilà. Ah, mais tu vois, gamin, il me dégage l'esquisse, moi. Il veut pas. Il veut pas du tout, même. Ah. Bon, bah écoute, je réessaierai, parce que effectivement, c'est bien de me dire ça. J'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais par contre, c'est chiant, pourquoi il me le dégage? Tout est cassé. Bah ouais, c'est... Ah non, attendez, ah c'est bon. Pourquoi il m'a dégagé le... Ah, attendez, on va s'en sortir. Voilà, je sais pas pourquoi il me cache cette partie-là. Donc là, si je sélectionne ça... Ah, mais j'ai pas concentrique qui arrive. Il faut que je... Translation de l'origine. Ah, j'ai rien du tout, en fait, moi, quand je fais ça. Que quand je fais sur le pad... Sélection... Ah, ça marche même plus, maintenant. Ah bah, super! Génial. Ça marchait il y a 2 secondes. J'aurais pas dû le supprimer en fait, j'aurais dû en refaire un nouveau. Attends, c'est pas vrai. C'est pas select. Voilà, concentrique. Nickel. Si tu l'as prends temps de lire la liste, je l'ai aperçu. Ouais, mais il me demandait d'autres points en fait. Alors attendez, si vous me dites que ça marche là. Hop. Ah, là je l'ai. Alors ouais, effectivement, il était pas sélectionné tout à l'heure. Ouais, j'ai pas suivi le truc. Alors du coup,
Là, il est dessus. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, ouais. Et donc, c'est plus robuste sur une esquisse. Écoutez, remarquez, c'est un peu logique. Enfin, tant que l'objet existe. Bon, on fera des tests. Je ferai des tests, écoutez. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va ouvrir l'assemblage. On va dégager le carter. On va importer notre carter. Voilà. Et on va lui dire screw top left. Voilà, on veut qu'il s'assemble sur, alors, mon autre pièce qui est support front. Ah oui, mais par contre, attendez, j'ai pas fait mon. J'ai pas fini. Voilà, j'ai pas mis mon L16 de l'autre côté, donc fatalement, ça ne peut pas marcher. Alors, hop, je sélectionne. Assembly 4. Screw. Top. Alors lui c'est son right pour le coup. Ouais c'est ça. Voilà. Concentrique. Alors par contre là je vais le faire directement dessus. Hein. Impeccable. On peut le masquer. Et donc là maintenant, mon carter. Je lui dis ça sur. Alors forcément ça va pas bouger. C'est le front. Voilà, il est là, ici. Je lui dis OK. Et les deux sont liés. Bon alors là, il n'aura pas bougé de beaucoup. Mais. Par contre, pourquoi il me le. A tout cassé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, bah voilà. Ah, il y a des. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des références cycliques. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être le peintre roulette en plus de la roue à nomme. Ah non, non. Il y a beaucoup de géométrie, donc c'est peut-être pas plus robuste. Ouais, je pense aussi. Par contre, la référence cyclique, là, je l'ai pas là. Pourquoi ce serait cyclique? Ça, qui arrive dessus. Ah, je sais. Je sais. À cause de mon shapebender. Ouais, c'est le binder. Je vais le désynchroniser. Hop. Voilà. C'est pas bien, du coup ça va pas suivre, mais c'est pas grave, donc, comme je disais tout à l'heure. Là, ça devrait marcher. Yes, et là ça marche. Ouais, c'est bon, c'est à cause du shapebinder. Voilà, nickel. Carter, il est là. Impeccable. Ouf! Et du coup, je peux le mettre de l'autre côté aussi. Et on va le faire. On va reprendre mon support front wheel, là, ici. On va lui mettre un autre L16 de l'autre côté. On va désactiver cette pièce-là. Screw, top. Left. Voilà. Nickel. Et là, j'ai pas besoin de modifier quelque chose. On va juste le décaler. Ouais, on va faire ça. Faisons ça. Hop. Il va me le mettre en carter 002. Ok. Là, on est bon. On est toujours sur le front. Voilà. Et alors là, il me l'oriente pas bien. C'est très bien comme ça, au moins. Non. C'est l'autre. Voilà. Donc là, il est bien orienté.
sauf qu'il faut que je le décale de l'épaisseur du matériau. Alors, ça je peux le faire directement ici. Après, on pourrait le faire plus proprement, mais au moins, c'est là, c'est prêt. Et normalement, ça, c'est censé être le modèle qu'on va avoir ce soir à l'assemblage. Hop, on le sauvegarde. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite là, je vais projeter les trois plaques. On va les découper au laser. Et comme on aura toutes nos pièces, eh ben, on va commencer à faire un petit assemblage. On va tenter en tout cas. Allez, Tech Draw. Non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. On va en ouvrir une vierge. Landscape blank. Voilà. Et on va prendre. Alors, on va d'abord faire cette pièce là, la face là, motor plate, parce que du coup, je sais pas trop comment ça va se passer en 5 mm sur ma laser. Et on va insérer une vue. Tu n'as pas ma macro, mais elle tourne plus sous la nouvelle version de RT. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est moi qui ai fait une bêtise. Et du coup, je suis un peu dégoûté. Je suis obligé de revenir sur l'ancien truc. C'est vrai que j'ai oublié de te le dire la dernière fois. Comme on n'a pas fait de laser. Donc c'est un peu la déception. Parce qu'elle était quand même vachement bien. Mais bon, tant pis. C'est vous qui le faites, c'est clair. Merci Micronox, bienvenue à toi. Et du coup, on va... fabrication, on va exporter ça, laser. Par contre, c'est deux types de trucs différents, c'est pas grave. On va ouvrir Inkscape. Ouais, c'est un peu... En fait, t'as toujours ce souci de rotation, et en plus de ça, j'ai une double ligne qui apparaît. C'est vraiment... Mais en export des XF, j'ai l'impression que j'ai moins de problèmes, pour le coup. Donc on va voir si c'était juste un coup de chance ou si ça se vérifie. On va l'ouvrir. Facteur d'échelle, yes. Voilà. Et non, tu vois. C'est mort. Putain, c'est fou ça, hein. Parce que du coup, j'avais réussi à le faire pour ma boîte. Alors attendez, peut-être que j'aurais pas dû faire ça comme ça. Peut-être insérer la vue active plutôt. Non, c'était bien ça, insérer une vue. Du coup SVG, bah écoute, on va tester en SVG, ouais. Pouette. Attendez, je crois que je l'ai enregistré au mauvais endroit. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ah, là ça s'ouvre, mais on va avoir plein de trucs. On va avoir plein de doubles lignes. À tous les coups. En plus, j'ai pas mes calques. Ah, oh, c'est dommage. Si je zoome, c'est sûr que... Ah, peut-être pas. Ah, regarde. Ça marche. J'ai pas de double ligne.
Putain, là, il y a un truc vraiment que je pige pas. C'est pourquoi j'en ai des fois, pourquoi j'en ai pas. Quel est le fuck à chaque fois que j'exporte un truc. Bon, bref. Ça, on va le sauvegarder. On va grouper ça. On va le mettre à côté. Pareil pour ça. On va tout mettre en rouge. Définir le contour. Voilà. Et on va recentrer sur cet objet. Voilà. Ça, on va le supprimer. Ça, je vais l'appeler motor plate. En SVG. Voilà. Boom. Et ça, je vais l'appeler side plate. Voilà. Nickel. Comme ça, j'ai les deux. On va aller sur le... Où est-ce qu'il est ? Sur K40 Whisper, c'est parti. Je ne saurais pas te dire plusieurs. Sans plusieurs progénies. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Du coup, comme on voit sur un robot de la compète, la table de thermoformage, en fait, elle est trop petite pour l'aéroglisseur, telle que je l'avais pensé. Donc il faudrait que je fasse une grande table de thermoformage pour pouvoir faire l'aéroglisseur. Or là, il y a la coupe, effectivement, qui approche. Il y a d'autres choses que sur lesquelles je voudrais avancer. Donc la prochaine fois qu'on testera l'aéroglisseur, ce sera peut-être quand je recevrai des commandes entre deux trucs sur le robot et où je voudrais m'aérer un peu l'esprit. M'aérer l'esprit, ventilateur, aéroglisseur, tout va bien. Donc c'est jamais abandonné. Bien évidemment. On le finira. Alors, open... On va commencer par le motor plate. Quelle taille il fait ? Oh, il est pas si grand que ça. Je vais démarrer la laser et puis on va voir ça. Alors, hop, on va aller sur la laser. Par contre, j'ai 2-3 réglages à faire dessus. Ah. Ok. Ah. Faut que je fasse mon réglage de hauteur. J'ai perdu ma cale. Donc, il va falloir que je le fasse à la règle. Nickel, finalement ça a été vite. Hop, on initialise, on est à 26. Alors, à mon avis, on va commencer par faire une découpe comme si je découpais du 3. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et merci que Lou. Bienvenue. Et c'est là que le motorisation change tout. Effectivement. Effectivement. Il faudrait que j'aie le temps de le faire aussi. Ça fait encore un autre projet. Merci Totof. Oh merci de t'être abonné avec Prime, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que je vais laisser? Je pense qu'on va laisser ces réglages-là. Est-ce qu'on va aller moins vite? On va essayer à 5 mm seconde, parce que 7 mm je pense que ça sera trop grand. Et on va faire une découpe avec la même puissance que ce qu'on avait, ce qu'on a d'habitude. Je pense que ça sera pas trop mal. Voilà.
Voilà, on va lancer ça, puis on va voir. C'est parti. Alors, je suis très content parce que ça passe à travers en une seule passe. Je le vois parce que vous voyez sur le. Il y a des petites pointes de lumière, ça fait tic 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 là sur l'image. Ça veut dire qu'en fait là je suis en train de taper le nid d'abeille en dessous. Donc je suis même un peu trop fort, je pense. Ou trop rapide. En tout cas, c'est assez satisfaisant parce que du coup ça veut dire qu'avec la K40 on peut découper facilement finalement du 5 mm quoi en acrylique. Donc on va voir si la découpe est propre. En tout cas, ça passe à travers a priori. Est-ce que ça passe partout à travers? Ça, c'est une autre problématique. Ça. Vérifier 2-3 paramètres par contre. Et au fait, oui, c'est vrai que FGate, je sais pas si t'étais là la semaine dernière, mais on a parlé de toi sur ton lim autorisé. Hein, voilà, donc si vous le savez pas, vous regardez les liens de la semaine dernière. C'est lui qui a fait cette super doc sur ses modifications de sa K40. Donc allez voir, hein, je le redis, hein, je le redis. Voilà. Du coup, ça c'est vraiment bien. Hop, et ici. Je suis dessus. Et ben là, on a bientôt terminé, je pense. Oh, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un problème sur le. Eh ben oui, mais j'ai une double trace. Donc j'ai quand même une double trace. Il repasse dessus, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui m'embête là avec tout ça là. Ah ouais. Il y avait une double trace. Ah zut! Bon, j'ai descendu la puissance, tant pis, il va repasser dessus parce que j'ai pas envie de bousiller ma plaque en 5 mm, mais Ah, c'est vraiment embêtant ça, du coup. T'es à combien en puissance? Attends, je te confirme ça. Là, actuellement, je suis à 25%, ce qui représente 10 milliampères. Voilà, pour te donner un aperçu. C'est cool ce plan laser. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Même pour moi, vérifier, tu vois, c'est vraiment pas mal. Là, c'est dommage, tu vois, parce que je suis sûr que ça passait en une seule fois, en une seule passe. Oui, t'étais là, ok, cool. Je me souviens plus si je t'avais vu passer la semaine dernière. Y a rien dans Inkscape pour détecter les doubles lignes. Bah, tu peux faire une. Ça marche pas des masses, mais tu peux faire plusieurs manipulations pour le faire. Après. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça pourrait. J'ai réussi à le faire avec la box, quoi, la laser. En bois, là, le générateur de boîte. Je comprends pas pourquoi sur ce fichier-là, j'ai pas de problème, tu vois. Et là, j'ai ce souci. C'est très très étrange, quoi. Grave envie, la K40, mais pas la place du budget. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, en vrai, le budget, ça va. C'est pas non plus trop élevé par rapport à une grosse imprimante 3D. Et c'est en fait pareil pour la place. Ça prend pas tant de place que ça. C'est juste qu'il faudrait que ce soit proche d'une extraction. Ça fait un peu de bruit et tout ça. Salut Fiat Minimis. On découpe du plexi, mais bien sûr, bien sûr. Du plexi 5 mm. Alors, est-ce que ça a marché? J'espère. Ça a marché de ouf. Ça a marché de ouf. Il n'y a quasiment pas de dépouille. On va aller regarder ça côté atelier. Ah, c'est très propre. Honnêtement, j'ai vu des bécanes.
à 20 000 balles qui faisaient des coupes plus dégueu que ça. Hein. Ça part un peu comme ça en fait, à certains endroits. Bon. Je superpose les machines pour gagner de la place. C'est une bonne technique. Tu as ressorti ta CN des projets. Ah oui, j'ai ressorti ma CN, mais elle est encore dans le garage pour l'instant. Est-ce que j'ai des projets avec J'ai des projets quand même de réessayer un petit peu la gravure de circuit par CN, mais j'ai quand même j'ai très peu d'espoir. Bah écoutez, ça marche pas trop mal. Voilà, vérifier, mais... Ouais, nickel. Par contre, j'ai des M5 nil stop, et je crois pas que j'ai des rondelles M5. J'ai plus de rondelle M5. J'ai plus une rondelle M5. J'ai pas fait gaffe à ça. Venez ici. Mais j'ai la place pour mettre une rondelle, donc ça veut dire que je me suis pas. Mais. Ah, mais parce que c'est pas une rondelle M5, ça c'est une rondelle M4 qui est tombée à côté. Donc j'ai plus du tout de rondelle M5. Très bien, parfait. Bon, c'est pas grave. Pour le proto de ce soir, ce sera sans les écrous nil. Mais par contre avec des écrous M5 larges. On va voir si ça passe. Ah, c'est pas trop mal. Et là. Par contre j'ai dû faire les trous un poil trop gros. Bon, on verra. Après, tendre une courroie dans ce sens-là, alors que le poids du moteur est comme ça. En le faisant, avant de le faire, je me suis dit que la version finale, elle serait pas comme ça. Parce qu'effectivement, le moteur va avoir tendance à vouloir descendre en fait avec la tension de la courroie. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Sur nos autres robots, c'est tendu dans ce sens-là. Donc du coup, le poids importe peu. Là, comme tout le poids est comme ça, c'est pas forcément intéressant. Alors on peut faire d'autres systèmes, on peut faire un système pour tendre la courroie avec un galet, mais ça nous fait perdre de la place, il faut quand même beaucoup de place pour pouvoir faire ce genre de système. Ou alors faire tourner le moteur sur un axe. Bon bref, plein d'idées différentes pour ça, mais comme je vous dis, on est sur un proto. Pour voir un peu l'intégration de tout ça. Avant d'arriver sur... La version finale, il y a du monde. Il faut des coupes laser. Vous savez que Monsieur Bidouille, il a craqué. Il a acheté une laser. Il a acheté une K40. Alors qu'il était en train de faire sa laser. Il a abandonné. Non, il a pas abandonné, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas vrai. Il a plus le temps pour le faire. Mais du coup, il a craqué sur une petite K40. Qu'il a déjà reçue. Punaise, il l'a eu super vite. Trop de la chance. Je mesurais par contre si je suis bien sur du 5 mm parce que si je découpe mes autres plaques, ouais, pile 5 mm des deux côtés. Ouais, nickel. Je peux en découper la rondelle avec la bonne chute. Je pourrais, mais je pense pas avoir 5. Non, je pense pas avoir 3 mm de. Il me faudrait un matériau de 1 mm ou 2 mm, j'ai pas trop ça. À 2 mm, j'ai peut-être. Au pire, on pourra faire ça, effectivement. Question seulement bête, c'est aussi, est-ce que ça ne pourrait s'accrocher au mur? Ah, vaut mieux pas, non. Non, vaut mieux pas. Déjà, c'est lourd, quoi. Et surtout, ça peut vibrer énormément. Et puis, t'as tout le système d'eau. Enfin, non, pour plein de raisons, vaudra mieux pas l'accrocher, quoi. Bien sur un bon gros bureau, c'est mieux, quoi. Il en a besoin pour faire sa propre laser. Alors en fait, je pense qu'il va utiliser sa laser pour faire une propre laser. Un peu comme les imprimantes 3D pour refaire des imprimantes 3D. Le 40 vertes, ouais. Alors j'en avais déjà vu passer, mais c'est toujours surprenant. Tape K40 dans Google, on tombe sur un certain Barbatronic. C'est vrai. C'est drôle, ça. Bon, on fait notre deuxième... Alors, par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va pas faire la même bêtise, parce que là, sur du 3 mm, il va faire un peu la gueule, le Plexit 3, là. Donc... Comment ça se fait que je l'ai pas détecté? Je suis pas descendu assez loin dans le groupe? Oh là 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 là, ouais, il est là. Hein. C'est fou ça. Ah, attendez, je crois même qu'il y a un petit souci aussi là, juste que je suis en train de voir.
Est-ce que si je fais l'arrière-plan en damier, non, c'est bon. Ce qui est fou, c'est que ça, c'est un élément complet en plus. Je sais ce que c'est ça. Ça, c'est le fond blanc. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est que là, pour lui, ça c'est transparent. Et il met un fond blanc ici, là. Vous voyez ça, là? Quand je passe dessus, là, les remplissages. Et c'est ce fond blanc, quand je sélectionne tout pour pouvoir. Et que je dis contour en noir, en rouge. Et ben du coup, automatiquement, en fait, il me prend les éléments de contour plus les éléments de fond aussi. Bon, je regarderai plus tard alors, du coup. Mais j'ai compris un truc. Cool. Alors là, on va réouvrir. Donc c'est laser plate. Non, c'est side plate. Nickel. En quoi on va faire ça? J'allais voir ce qu'il me reste. Proto Caribou, donc ça ne veut rien, ça sera le classique, le standard, plexi. Il faut que j'en rachète parce que là ma dernière commande, c'était une commande d'urgence, elle date un peu et j'en ai plus beaucoup. Par contre, on va repartir sur du 7, on va réinitialiser et go. Nickel. Et ben go, c'est parti. Le fond, il y a détecté les faces. Peut-être que ça joue. Ah, utiliser un sélecteur de couleurs où tu sélectionnes le blanc. Ah, c'est vrai que je sélectionne des objets, donc c'est peut-être ça. Attends, pref tech draw onglet avancé. Je vais le faire pendant que. Ah, il y a couleur. Face transparente. Attends, face transparente. Je sais pas si je vais détecter les faces. Si cocher tech draw tentera de créer des faces en utilisant un segment des lignes renvoyées par l'algorithme de suppression de lignes cachées. Ça peut être détecté pour utiliser les hachures. Bah ouais, mais du coup. X-Wing, X-Ming serveur. Ah, je ne connais pas. Puis les fenêtres d'avion, tu lances via putain. Ah. Oh. Ah oui, effectivement. La différence de qualité de coupe en fonction des couleurs de tes plaques d'acrylique. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est plus facile pour un laser à découper, ça, on en avait déjà un peu parlé, c'est le orange et le noir. Parce qu'en fait, je la fais courte, on va absorber un maximum le laser en termes de longueur d'onde, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, la découpe, elle sera plus facile. Le pire à découper, c'est du transparent, en fait, pour le coup. Donc, voilà, la seule différence que j'ai, c'est ça. Après, en termes de qualité, véritablement, de découpe, j'ai jamais détecté quelque chose de particulièrement embêtant. De bois massif,
Ah, bois massif, j'ai jamais fait. Bois massif, exactement. Non. Par contre, du contreplaqué, oui, pas mal, quoi. Contreplaqué 5 mm avec celle-là. J'ai pas encore essayé du 10 mm, je me suis acheté des plaques de 10 pour essayer. Et je pense que ça peut passer du 10 mm. On va aller regarder si ça s'assemble avant de faire la deuxième. Ce serait bête de. Oh bah nickel. Pas qu'on dans le sens, rien. Impeccable. On va regarder aussi si les trous ça tombe juste. Ça a l'air bon. Et là. Dans l'autre sens peut-être. Ah mince. Ouais, ça a l'air bon. Bon, écoutez, on va en faire une deuxième. Ouais, tu vois, j'ai vu ça. J'ai vu les couleurs là. Faudrait peut-être que j'essaye. Phase de section. Couleur de la phase de coupe. Arrière-plan. Faut que je bricole là-dedans alors du coup. Mais ça serait couleur et avancée quoi en fait. Il n'y a rien d'autre. Bon, je regarderai ça. Ok, et là du coup on va faire un mirror. Boum, et puis on va le découper. Alors je pourrais redécouper exactement la même, mais pour avoir du coup les mêmes problématiques, enfin les mêmes débords des deux côtés, je préfère faire un miroir. Oh, merci Flapeux. Bienvenue à toi. Alors. Hop. Positionnement à la main. Et c'est parti. Et du coup, pendant que ça coupe, moi ce que je vous propose, eh ben, c'est de commencer un petit peu à. Est-ce que ça se passe bien? Ouais. Hop. C'est de commencer à travailler sur l'assemblage. Alors ça, on va le mettre de côté. Ça aussi. Ça aussi. Et je pense qu'on va commencer par assembler, à mon avis, c'est la roue. Ça sera pas mal. Sachant que j'ai déjà fait... J'avais déjà imprimé ça pour voir si... parce que ça, ces pièces-là, elles ont mis un peu de temps à s'imprimer. Donc c'est les entretoises avec les roulements et les inserts M3. Donc il y en a deux, c'est exactement les mêmes pièces. D'accord. Donc je vais avoir besoin de ça. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais avoir besoin de 3 roues. D'ailleurs, ça, j'ai pas besoin. Voilà. Et je vais avoir besoin de vis. Alors, j'ai besoin de 25, de 3,25 d'un côté. Voilà. Et de 3 en 30 de l'autre. Ça, et il me faut une poulie. Alors est-ce que c'est la bonne? Salut Thibaut Delve. Alors, je pense que c'est celle-là parce que j'avais déjà fait. Est-ce que c'est les bonnes vis? Ouais, c'est celle-là. Ouais. A priori c'est bon. Parce que j'ai mes inserts qui viennent à l'intérieur. Donc ouais, nickel. Mais en fait c'est bon. Pouvoir commencer le montage comme ça. Et merci juste troll 42, merci à toi. Du coup pendant ce temps là, hop, le laser a terminé. Ça, on peut l'arrêter. Ah, ça fait du bien. Et on a notre dernière plaque qu'on va pouvoir assembler juste après. Donc j'ai ça. Donc pièce centrale, première entretoise, premier spacer. Voilà. Ensuite,
Tiens, deuxième spacer. Il vient là. Donc faut pas que je me plante. Voilà. Ici. Et j'ai ensuite notre roue qui doit venir comme ça. Alors faut que je trouve le bon réglage. Ok, donc c'est ça. Et là normalement si je fais. Normalement, Miranda, c'est toi. C'est bien, il y a quelqu'un qui a la ref. Spacer. C'est pas du tout bien réglé, en fait, attendez. Parce que là, on rigole. Mais... c'est pas du tout bon. Alors, attendez, là, non. Ça, c'est le réglage de base. Ah, voilà, comme ça. Ah, parce que du coup, il faut que mon premier, il soit bon. Mais non, c'est parce que... ah. On va faire un truc. On va prendre une petite vis pour fixer le spacer. Et... oh mon dieu, Yorzian! Bonsoir à toutes et à tous! Comment ça va? Alors ça parlait sécurité informatique ce soir chez Yorzian, de mémoire, il me semble. Voilà, bonsoir! Bonsoir à tous les raiders, ça fait plaisir. Merci Hectario, bonsoir à toi. C'est confidentiel. Ah, vous avez bien suivi. Vous avez bien retenu vos leçons. Voilà, donc là, du coup, voilà, ce que je vous expliquais, c'est rouleau ici, rouleau au milieu. Hop, je mets ma vis. Et normalement, on est bon pour la suite. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir, les amis, les raiders? On a reçu nos rouleaux nommes pour nos robots, là. Donc, on en a plein, là, plein partout, voilà. Et on a... terminer une modélisation sous FreeCAD d'un ensemble de motorisation pour tester notre roue holonome. Voilà. Merci. Et on a tout imprimé, on a tout découpé au laser. Et donc là, vous arrivez sur la partie où je mets des vis, des inserts, etc. Et je vérifie que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. C'est robot, toi, à tous les coups. Pas du tout, punaise. Et vous savez quoi, je n'ai jamais utilisé un mot de passe avec robot. À part les sécu. Ah, voilà. Vous changez vos mots de passe récemment. Je les change régulièrement, ouais. Je sais. J'ai une technique pour avoir des mots de passe, générer des mots de passe. Je sais pas si c'est une bonne technique. Tiens, d'ailleurs, vous pourriez me dire, maintenant que vous avez vu Yorzian en parler, est-ce que ma technique pour sélectionner des mots de passe est bonne? Je vais vous expliquer ça. Merci Norskel, bienvenue à toi. Donc là, je mets les trois vis. Hein. En fait, moi, pour retenir un mot de passe et avoir des mots de passe compliqués, mes mots de passe, je les invente comme ça. Je prends des répliques de films. Je choisis si je prends la première, la deuxième ou la troisième lettre de chaque mot, de chaque réplique. Et ça fait mon mot de passe avec minuscule, majuscule, plus... un caractère spécial à la fin que je retiens par rapport à l'intonation de la phrase. Ce qui fait que je suppose que c'est quand même pas trop mal parce que ça peut pas être tellement facilement trouvé. Mais je me trompe peut-être. Voilà, et là du coup on va pouvoir fixer le spacer de l'autre côté. Dis-nous tes mots de passe. Merci Open Source BW Belgium, merci Snowgood36. Donc là, je suis en train de visser là, les vis dans les entretoises de 7... Mince, je vais y arriver. Dans les inserts de 7 entretoises. Et de l'autre côté, je vais faire l'inverse. J'ai des inserts de l'autre côté. Et donc, je vais prendre en sandwich comme ça ma roue. Comment tu fais les mots de passe? Tu peux changer ta technique. Ouais, mais vous savez pas si quelle lettre je prends dans mes références. Vous connaissez pas les phrases de mes films préférés que j'aime bien et que je retiens, ni le chiffre magique. C'est quoi tes films préférés? C'est bien joué. Allez, je te confie mes viewers. Ça marche. Bonne soirée, Yorzian. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est de lire Cryptomicon pour voir ce que ce genre de technique vaut. Ok, bah écoute, j'irai regarder.
Et donc là, on va mettre l'autre roulette. Technique personnelle, c'est d'asseoir un sage devant mon clavier. Donc... Merci Tordals, merci pour ton troisième mois, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Voilà, et donc là c'est bon, je suis bien orienté. Donc là on a les trois galets, voilà, qui forment cette ligne là à 30 degrés. Et donc on va pouvoir assembler la poulie de l'autre côté. Bitware, c'est pas mon mot de passe, hein. C'est le soft qui gère. On sait qu'à la fin tu as un caractère spécial, du coup on peut plus facilement le brute forcer. Ah, c'est intéressant ça. Ah non, j'ai pas dit à la fin. J'ai dit qu'il y avait un caractère spécial. Mais où est le stick vice ce soir? Ah salut Blogmotion. Blogmotion, suivez-le sur Twitter. Du coup, qui a fait un article sur le stick vice, qui a réussi à s'en faire à... envoyer un, et alors là je dis félicitations, et du coup qui a testé le StickVise, qui est un super outil, et le StickVise il est là, hein. Voilà, toujours en dessous de mon fer à souder, voilà, bien évidemment. Salut Tix les Geeks, comment ça va? Mon passe fait 20 lettres, le bruit fort c'est pas évident quand même. D'après cette chanson. Ah, je peux pas cliquer. Ah, et là que ça donne des cours de sécu. Enfin, oh là là, oh là là. Oh là là, ça troll. Bah ici. Ah bah dis donc, on dit StickVise, et là, il y a Alpha Robes qui pop. Comme par hasard, comme par hasard. Le mec arrive juste au moment où on parle de ça. C'est quand même très surprenant. Bon, alors du coup, on a notre... Bah voilà, elle veut déjà partir, faire sa vie. Au revoir, petit trou. Au revoir. Bon, notre roue. Notre roue, c'est pas mal, hein. Regardez, hop. Roulement, roulement. On va prendre... attendez. Est-ce que... Alors, c'est ça qui est pas top dans ma méthode, c'est que j'ai plein d'inserts, là. Écoutez, ça a l'air de faire le café, hein. On va voir si... Ça s'assemble bien avec un axe, si ça tourne bien, s'il n'y a pas de point dur, avant de finir tout et puis de se rendre compte après que ça marche pas. Bah écoutez, non, c'est bien. Enfin, j'ai un peu trop serré sur mes... Écoutez, impeccable. Regardez comme c'est beau. J'ai loupé les inserts ou pas? Ah non, non, non. En fait, j'avais déjà mis les inserts sur cette pièce-là pour les tester. Donc là, mais on a des gros inserts à mettre. M5. Ah, allez. Direct from USA, c'est clair. Ça, bah, ça va très très bien, ça bricole, écoute, ça bricole très très bien. Et donc maintenant qu'on a fait ça, et eh ben écoutez, les pièces que j'ai imprimées là tout à l'heure, on va les déprocesser. Alors comme d'hab, hein, j'avais pas trop le temps, j'ai fini les modèles cet après-midi. Donc c'est des pièces faites avec la bécane en 1 mm, donc elles sont relativement pas très propres. Mais pour notre essai, comme d'hab, ça marchera très bien. Bon, c'est dur quand c'est imprimé en 1 mm. Je devrais pas faire forcément de jupe. C'est vrai que je mets une jupe pour l'accroche, mais par habitude. Le paramètre est toujours enclenché. Mais en soi, voilà. Nickel. Une couche de 0,6 mm, c'est épais quand même. Hein. On va mettre celle-là, on va le protéger, on va protéger notre moteur. Voilà, donc celle-là, elle est vite fait enlevée au niveau nul hasard. Tac par les deux bouts, d'ICO de 15 gigas. C'est sa formule d'apparition. La roue fait sa vie, merci. Elf. Ah, mais j'ai 0,6 mm. Ah punaise, jupe. Ok, d'accord. Je sais pas de. Je suis pas sûr. Donc je vais rien dire. Ouais. Je ne vais rien dire. Hop. Il me donne des tips sur l'effet pattes d'éléphant. Il met des jupes. C'est clair. C'est clair. Merci le gant du BDX. Bienvenue.
Ok, donc là, vite fait, c'est fait. On va foncer. Oh, une fictive kiwi. 10 snobs, bienvenue à vous. Hop, voilà. Donc on va juste poncer ces deux faces-là qui sont les faces qui vont être contre les découpes en plexi. Bah dis donc. Merci Marshall. Ouais, moi je pèle mes impressions. Ouais. Voilà. Oh là là, merci Zircom, bienvenue. C'est la descente là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir de tous vous voir. Bah hello, hello. Oh la vache, bah alors. Vous venez tous d'un coup. Merci, Kif45. Merci Joris Barat. Hop. Alors maintenant que ces deux faces-là sont propres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de fraisouille sur les trous. Voilà, comme ça, ce sera nickel. On va le faire aussi à l'intérieur, là. Futur projet, un petit polisseur de pièces. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un polisseur à base de... Comme pour les pierres précieuses, avec des pierres... taillé un peu spécifique en pointe, etc. Ça serait pas mal hein. En vrai voilà, ouais, moi j'ai pris 24 heures. Bah écoute, félicitations pour toi. Avec une brosse à dents électrique. Avec une brosse à dents électrique. Quoi, de quoi tu parles? Ce serait là la pire polisseuse au monde, tu vas trop lent. C'est le bruit de ponçage qui attire les gens. Ah bah attends, vas-y, on leur fait. ok, donc ça c'est bon. Ouais, c'est pas une propreté absolue, mais... oula, attendez. Je regarde quand même avant de... Voilà, donc là ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder juste si la rondelle de 22 rentre, voilà, nickel, impeccable. Est-ce que notre vis rentre? Oh, la vis rentre, est-ce que la vis rentre? Oh, magnifique, magnifique, et donc du coup après, boum, boum, et écrou, ok, donc ça c'est bon. Clac, les brosses à dents électriques font des petites vibrations, tu colles un morceau d'émeri dessus et hop. Ah, ce serait trop drôle. Et on lui met des yeux. Comme ça. Yo Rixan. Alors, on va juste mettre les inserts maintenant. Voilà, donc insert M5. C'est parti. On va démarrer le fer à souder, comme ça, il sera prêt. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. J'arrive juste pour les inserts. Oh, il y a toujours un peu des inserts, donc les inserts sur ce live, c'est un peu le node red. Voilà, c'est un peu le node red de Barba. Pas une adrenne, on fait les inserts. En plus, le dentiste, ça fait une super pâte. Ah ouais. C'est vrai que le dentifrice, pour le coup, a des vertus qu'on ne connaît pas suffisamment. Faudrait que je prenne des...
On peut changer ces outils-là par d'autres formes d'outils. Il faudrait que j'essaie d'en commander. Il y a des trucs intéressants. Pour atteindre des zones, des fois, qui sont un peu compliquées à nettoyer. Ok, alors, zou. Hop. Insert. Fer à souder. Hop. Alors là, c'est un peu comme la série Dynasty. Tu peux manquer 20 épisodes et quand tu reviens, tu comprends. Mon dieu. Alors. Est-ce que ça va bien? Vous savez quoi? Je les ai jamais mis, ces inserts M5. Je crois. Ça me dit rien du tout. C'est vrai que c'est rare que on utilise des inserts plus que M3 pour le coup. Hop. Et de 2. Petit ASMR insert. Comme ça fait pas de bruit. C'est le pire ASMR du monde. En fait, je fais chauffer l'insert qui lui-même fait fondre le plastique. Ah oui, c'est vrai que... Attends, je vais essayer de le faire comme ça, tu vois. Hop. Et du coup, l'insert s'enfonce. Le plastique vient se mettre dans les crans de l'insert. Donc l'insert est cranté, hein. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Et donc du coup, après, ça prend. Et du coup, tu as un filetage à l'intérieur. Ce qui te permet de... monter, démonter des vis très facilement. C'est sensuel avec la musique. Faudrait que je m'habitue à faire ça par contre. Voilà. Parce que là du coup vous voyez beaucoup mieux. Moi je vois plus rien du coup, mais au moins vous voyez. Il doit chauffer fort ton fer. Là, il est réglé pour 400. Là. 400 degrés. Hein. Degrés Celsius. Salut, Ifrit. Faire souder votre 300 à 400 selon l'état. Oh, ouais, le mien, tu peux monter un peu plus haut, mais en général, effectivement, c'est ça, quoi. Alors que le PP, là on vit les 200, 200 2020, ah non, 2020, non. J'arrive et que je vois, je désinsère. Bien sûr. Des gros inserts. Et tant mieux faire tout de suite. Bien l'insert qui pénètre le plein. Faut que je bouge ça. Nickel. Bon bah voilà. On va aller laisser refroidir un peu parce que je pense que c'est un peu chaud. Remarquez, je suis obligé quand même de commencer l'assemblage. Non, bah, on va commencer l'assemblage. Hop. Donc, voilà, on va d'abord assembler la roue, je pense. Nickel. Donc, de ce côté-là, j'ai un seul. Voilà. Donc, ça passe. Impeccable. Là, j'en ai trois. C'est là où je me dis que là, vous voyez. Là, j'ai ouvert, en fait, cet élément. Et donc, on aurait pu très facilement intégrer... Où est-ce qu'il est, mon roulement? Un roulement 608, en fait, à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Bon, je peux même encore le faire. Mais du coup, je pense que ça sera peut-être une évolution du truc. C'est de pouvoir intégrer un 608 ici, à cet endroit-là, pour limiter un peu les inserts et venir se reprendre directement là. Ça sera un peu plus propre, je pense. Ouh! C'est très court, ça.
Ah non, c'est parce que... Ouais, non, c'est parce que ma vis est pas vissée jusqu'au bout de l'autre côté. Ok. Oh, j'ai eu peur. Techniquement... Ah, je vais peut-être être un poil court pour pouvoir mettre un Necronil stop. On va voir. On va voir. Combien en taux de remplissage? 100%? Non, 10% sur, sur ces modèles-là. Le truc qui est important quand je fais de l'impression en 1 mm, c'est que les contours du coup sont beaucoup plus vite épais en fait. Ce qui fait que ton imprimante, ton impression, tu vois là il y a 40 minutes d'impression pour faire cette pièce-là, sans aller extrêmement vite. Hein, mais la pièce est beaucoup plus solide du coup. En vrai j'ai une boîte jamais utilisée. Ah ouais? Ah bah voilà. Faudra tester. Effectivement. Et ça passe pas. Il y a un souci. Alors il y a un souci. Ouf. Le trou tombe pas en face. Alors soit j'ai une impression qui est plus courte d'un côté. Ça c'est ma vis qui n'est pas à la bonne taille. Attendez. Pas très grave en soi. On va. J'aurais dû mesurer, on va augmenter. Ça fait que il faudra qu'on modifie un peu le proto. Ou reprendre les éléments. Est-ce que là ça marche? Je vais vous remettre la vue zénitale. Ah, là ça marche, mais. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Genre là ça marche. Et... Bon, écoutez, faire un truc, on va enlever ça, on va mettre nos vis M5 d'un côté. Ça, on aura fait notre assemblage, on va mesurer, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Qu'est-ce que c'est beau? J'adore le plexi. Ce plexi là orange, il est magnifique. Et on va prendre des vis. Torx M5x14 avec une toute petite collerette. Regardez comme c'est mini. C'est trop beau. Et est-ce que j'ai mes embouts Torx? Ouf. Pas du tout ça. Yes. T25. Salut Elwir, n'hésitez pas à voter aussi. Je pense à ça parce que demain beaucoup de gens bossent. N'hésitez pas à voter pour le jour des prochains lives, juste en dessous là, parce que je vais changer mon jour de live et j'ai besoin de votre avis. Parce que je vois que le bot n'a pas fait son taf. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le vendredi soir, le samedi matin ou le samedi soir pour les lives, les prochains lives. C'est important que je le sache. Et merci, Barba Catelai, Catleya, bienvenue à toi. Demacy pour toi. Oh mon dieu, bon courage. Je suis un bot, ok. Je suis pas un bot, ok. Mais c'est pas toi, j'appelais le bot. C'est le bot Stream Elements, mais je sais pas pourquoi il veut pas. Très bizarre. Pas mercredi ni dimanche, ça tombe bien. Et bah du coup ça sera pas ni mercredi ni dimanche. Ah mais c'est parce que c'est un peu souple, je sais pas. Étrange. Bon écoutez, je sais pas trop ce qui se passe mais là j'ai enlevé les rondelles et ça marche. Bon, c'est moi qui me suis planté quand, quand je l'ai assemblé. Bon, il me laisse encore un peu de jeu, c'est bien. Et du coup, là, hop, on vient mettre le moteur, qui n'est pas le bon moteur. Qui est un moteur un peu plus long que j'ai, parce que les moteurs courts, je les ai pas encore commandés, donc j'ai pas encore reçu. Et c'est les moteurs qui sont déjà dans nos robots, donc je les ai pas encore démontés. Donc on va assembler ça.
J'ai pas la courroie, j'ai rien du tout. Donc là, ça, en fait, là, l'assemblage est terminé, hein, du coup. On va pas pouvoir aller plus loin. Mais du coup, on valide quand même le petit proto qui nous permettra de faire quelques essais pour la suite. Et si je le mets à l'envers, ça ne va pas aller. Et mon but ce soir est atteint, à savoir assembler ça, commander une courroie après, et ce sera nickel. À voter, merci Givarto. Tu avais mis deux entretoises. Ouais, j'avais mis deux entretoises. Ouais. Non, mais c'est peut-être la souplesse du plastique, j'en sais rien. Il manque pas la courroie. Je l'ai pas la courroie encore. Ah oui, mais Clément Clarisse, on pourra jamais rien y faire. Hein. Ça, c'est l'éducation nationale. Pas de plomb. Mais j'ai pas encore la courroie, effectivement. Si pas encore commandé, c'est normal de pas les avoir reçus. On est bien d'accord. Hop. Bon, finalement, assemblage avec Assembly 4 semble propre. Tout ça semble correctement. Merci Zéro. Ça a l'air pas trop mal. Nickel. Donc voilà. Premier proto, donc du coup le dernier truc à assembler ce serait ça. Le problème c'est que je ne retrouve pas mon forêt de 6.35. J'ai des forêts de 7, des forêts de 6, mais j'ai pas mon forêt de 6.35 et ça c'est un peu dommage parce que du coup mon axe c'est du 6.35 et donc du coup je suis un petit peu bloqué. C'est drôle, on a un appartement. Oui, aussi, oui, effectivement. Dans l'école, hein, dans l'école. Pourquoi ne pas imprimer la courroie? Bah, parce que ça coûte pas cher d'acheter une courroie et que c'est quand même vachement plus solide, pour le coup. Un quart de pouce. Utilise le fer à souder. Ah, c'est pas con, ça. Ah, merci, Historycode. Tu feras 7, tu mets du scotch. Oh mon dieu, vous êtes sale. Ah non, attendez. Attendez, je vais quand même essayer de voir si je peux pas le retrouver dans mes caisses. J'ai pas été regardé dans toutes les caisses avant le live. T'as remarqué ? Je suis en train de me dire que j'avais des courroies ici. J'avais pas fait gaffe que j'avais d'autres courroies. Mais c'est pas des courroies fermées, pas toutes. Oh, celle-là est vraiment trop grande. Celle-là, elle pourrait peut-être faire le taf. Mon dieu, ça c'est des courroies ouvertes. Celle-ci. Alors là, mon forêt 635, il était là. Oh, je vous ai jamais montré ça. Un petit Nema 11. C'est tout kiki. J'aimerais bien m'en servir pour un petit projet un jour. Je me demande si je l'ai pas cramé celui. J'aime bien, c'est tout mignon. Tu usines le forêt de 7. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça, Lila. Donc il est bien évidemment pas là. Ce serait trop simple pour le coup. Attendez, je vais quand même regarder. Si, Ah, c'est trop grand. Hein. C'est trop grand, c'est un truc de combien? Ça c'est 300 ça. Dans 280, il me faudrait 260. Donc, bon. Et puis surtout, il me faudrait 260 en 10 mm de large, mais bon. Alors, si c'est pas là. Ah, mais attendez. Oui! Il était caché! Je l'ai! On va même pouvoir assembler la poulie moteur! C'est incroyable ce qui se passe ce soir! J'en fais trop, oui, tout à fait! Non, Makita en plus. Attendez. On se fout pas de vous. Hein. Et on va forer ça comme
des crados à la perceuse, à la main. Vous allez voir, c'est incroyable. On va quand même aller doucement. Parce que ma perceuse à colonne est dans le garage. Est-ce que j'ai beaucoup à percer? Je pense que... Ça va. On va aller doucement. On va mettre le limiteur de coupe. Comme ça, si jamais il y a un problème, ça limite. Nous vend du rêve, ne pas reproduire à la maison. Mais non, vous inquiétez pas. Attention, ASMR dans 5, 4, 3... Et voilà, nickel. On va y aller comme un bourrin. Et c'est impeccable. Un peu au cas où il faut envoyer les secours. Impeccable. Hop là. Alors maintenant, insert. Spacer. On va prendre les inserts M3x3. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que j'avais prévu? Non, c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu les inserts M3x5. Ah, voilà. C'est bien marqué un quart de pouce. Bah oui, mais non, mais tu avais tout à fait raison. C'est vrai que j'ai pas relevé. Parce que pour moi, c'était logique. Mais oui, bien sûr, bien évidemment. Petit forêt à main. Merci Xélion, bienvenue à toi. Faut avec combien ça? 5. Je trouve un forêt de 6. De 4, 5, pardon. Non. Attendez. Mon outil à frapper non plus. On va y arriver. Merci Mister 3D. Ouais. Il y a du forêt qui a percé du placo, ouais. Comme tu dis, ouais. Exactement. Ah, 4-5. Nickel. Là, c'est mes vieux forêts à tout faire. Et j'en ai d'autres pour... Si je veux faire du percer du métal ou ce genre de choses là, ou je veux faire des perçages un peu plus propres, qui sont eux rangés de l'autre côté. Une grosse bêtise, c'est que j'ai rangé ça dans le truc des forêts. Celui-là, je le garde de côté. Alors, petit insert. Nickel. Et normalement, est-ce que je vais faire ça avec une vis standard? Est-ce que j'ai des vis sans tête? Je dois avoir des vis sans tête quelque part. Mais alors où? Chromalté, non, c'est pas ça. Vis sans tête. Ah, c'est des vis sans tête M5. Bah oui, parce que je les avais utilisées pour la. Ah oui, non. Du coup, ça va pas. Bon, bah tant pis, on va prendre.
une TBHC de 8 mm normalement, je tombe pile. Ouais, 8 mm c'est pas mal. Alors zo. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc j'ai mis un insert là. Pour ceux qui connaissent pas les inserts, j'ai mis un insert là. Et merci Orc 3. Et donc du coup je peux mettre une petite vis dessus. Voilà. Qui va me servir à bloquer ma poulie sur l'axe, parce que sur l'axe, du coup, vous voyez, il y a une zone qui est plate là. Voilà. C'est un D-shaft, donc un axe en D, quoi. Et donc ce méplat là, cette zone plate, du coup, eh ben, je vais venir la faire coïncider avec la zone de ma vis, ce qui m'évitait en fait, de tourner autour, même si ma vis se desserre un petit peu. Donc là, je fais un montage. Sans Loctite, sans rien du tout, parce que ça va être amené à être démonté. Et normalement, ce que je peux faire aussi, en théorie, c'est de pas mettre qu'une seule vis, mais d'en mettre deux à 120 degrés. Voilà, pour être, pour améliorer la prise. Bon, après, voilà, c'est un peu... voir après ce qu'on a envie de faire. Par contre, c'est quand même pas mal dur à mettre. Je pense que je vais aller chercher un petit serre-joint. Parce que là, j'ai du mal à l'insérer. Ouais, je vais faire ça au serre-joint. Je reviens. Je vais chercher un petit serre-joint. Avec le serre-joint, on va faire ça doucement. Voilà. Que j'aurais peut-être dû le percer un tout petit peu plus. Ah bon. Oh, j'ai pas trop serré. Oh, ça se retire facilement. Tu mets une clé plate ici, tu fais schtoink, et puis un bras de levier. Donnez-moi un levier assez long et je soulèverai le monde. Je crois que c'est ça qu'il a dit. La personne dont je me souviens plus le nom. Donc, bah du coup, on est bien, là. On est bien. Par contre, on n'a pas la courroie, donc c'est un peu dommage. Mais on n'aurait pas la bonne idée de passer, celle-là, par hasard. Bah non, parce que vu le diamètre, là, bah non, carrément trop long. Carrément trop long. Donc, il va falloir que je mesure ça et que je mesure la courroie dont j'ai besoin. Mais néanmoins, notre proto est... fait. Et du coup, ce qui va être intéressant ici, c'est de tester en drivant le moteur et en ayant la courroie, eh bien, ce que ça fait et comment en fait quelle traction on a en fait sur cette roue et comment ça se passe en termes de en termes de mouvement juste avec une, juste voir ce qu'on a. Voilà, donc le principe ça va être d'accrocher un poids et puis de voir un peu en tirant, de voir ce que ça donne, ce que ça peut, si on a vraiment une bonne accroche ou si c'est vraiment pourri. Donc ça va nous permettre de faire quand même pas mal de tests. Et c'est très très cool, c'est très très cool. C'est Archimède ? Je sais plus. Et un bon point d'appui, exactement, Gigi, tu as raison, j'ai oublié ça. Et un bon point d'appui. On la répète, mais plutôt que d'attendre une commande, un galet tendeur. J'avais pas vu que t'avais proposé un galet tendeur. Je crois que j'en ai parlé du galet tendeur. C'est-à-dire qu'en fait, la commande, je vais la recevoir mardi ou mercredi. Donc, en soi, m'embêter à faire un galet tendeur alors que mardi ou mercredi, j'ai ma courroie. voilà, c'est pas très efficace en termes de temps. C'était Timo InShape. C'est avec un Colson pour le proto si t'en as. De toute façon... c'est pareil, là, le but c'était pas de le piloter ce soir. Donc voilà, nous, là on a... Oh,
que ça bouge? Qu'est-ce qui bouge là? Ah oui, ça bouge un petit peu dans l'écran, mais moi ce que je voulais voir, c'était cette technique là. Si c'était pas mal en termes de fixation, et en vrai, je trouve que c'est pas mal. Ce que je voulais vérifier aussi, c'était si je pouvais découper du 5 mm, et ben du coup, ça se peut, donc c'est impeccable. Je voulais tester un assemblage à blanc, d'ailleurs, c'est pas bien assemblé à cet endroit. De mon proto, je trouve que c'est plutôt bien, et je trouve que finalement, avec FreeCAD, on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti. La roue, elle passe, et elle tourne sans problème. Donc du coup, ça c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Donc, à part le roulement qu'on pourrait rajouter en bout de course, au final, tout le reste fonctionne parfaitement bien. Et du coup, moi, ça me permet d'embrayer sur qu'est-ce que je vais utiliser pour driver ces moteurs-là. Et du coup, après, on arrivera sur la fin du stream. C'est un peu le dernier élément que je voudrais vous montrer, parce que j'ai une petite idée. Le principe de ce système là, c'est d'en avoir après 3, hein, vous avez compris, 1, 2, 3 pour faire un robot autonome, mais surtout c'est que le moteur soit vers l'extérieur du robot, l'arrière du moteur. Et pourquoi je veux ça? Parce que je voudrais essayer d'utiliser Salut Kader, Super Bello peut être intéressé par cette histoire de 5 mm. Ah oui, pour son châssis. Mais son châssis, il est trop grand. Ça passait pas dans ma laser. Ok, t'as le réglage au moteur. Oui, je peux tendre la courroie, effectivement, avec le moteur. Mais j'aime pas encore trop ce système-là, mais bon. Pour mon essai, ça sera très bien. Oui, mais elle sera-t-elle pile-poil aux bonnes dimensions? Oui, du coup, ouais, voilà, ok. Ça marche. Je remonte, mais... donc, du coup, qu'est-ce que je veux faire? Si jamais vous avez déjà été dans les refs du live, vous avez peut-être déjà vu, si vous avez été un peu curieux. Sinon, je vais revenir en arrière. J'ai commandé ce truc-là. Alors, c'est pas exactement celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas exactement celui-ci. Mais en gros... C'est un circuit de commande qui va venir se mettre à l'arrière du moteur. C'est un driver de moteur, voilà, comme un driver de moteur d'un stepper, un moteur pas à pas standard. La petite particularité de celui-ci, c'est qu'il y a un microcontrôleur dessus. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? On a déjà le driver. Et bien en fait, cette carte, en fait, elle intègre aussi à l'arrière un petit capteur à éféole. Et donc ce qu'on va faire, c'est, si je reviens... ne pas me tromper. Vous voyez, sur l'arrière du moteur, là, il y a l'axe qu'on voit tourner ici, quand je tourne l'arrière. On va venir mettre un petit aimant. Voilà. Et du coup, ce capteur à éféole, il va permettre de récupérer, en fait, c'est un encodeur magnétique, de récupérer la position de l'axe du moteur. Et du coup, si vous avez suivi un petit peu ce qu'on avait fait avec le pendouille de Monsieur Bidouille sur la régulation, on va faire ce qu'on appelle une boucle fermée. C'est-à-dire qu'on va demander au moteur un certain nombre de pas. Le capteur va vérifier si ce nombre de pas a été réalisé. Et s'il y a des pas qui sont perdus, s'il y a du glissement ou si les pas ne sont pas réalisés, eh ben lui, il va le voir. Et c'est pour ça qu'on a un microcontrôleur dessus, parce que du coup, il va compenser et il va essayer du coup de réaliser ses pas, de reforcer dessus ou d'attendre jusqu'à ce que les pas se réalisent. Donc l'idée, en fait, avec ce petit driver un peu intelligent, c'est justement de faire une boucle fermée avec un encodeur directement au cul du moteur pour pouvoir éviter d'avoir des sauts de pas et de pouvoir le piloter comme on pilote un moteur pas à pas classique avec un driver sans aucun problème. Du coup, je l'ai commandé, on va voir ce que ça donne. Et pourquoi je veux que ce soit du coup visible de l'arrière du moteur, parce que vous allez me dire, bah, tu vas le caler dessus et puis c'est bon. C'est que, vous voyez, il y a un petit header ici, et donc il y a possibilité de mettre un petit écran LCD, un petit écran OLED, pardon, et il y a 3 boutons, et ça veut dire que directement sur le driver, on peut régler le PID, les réglages, les incréments du moteur, le nombre de pas, etc. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir directement, de l'extérieur du robot, pouvoir régler les 3 moteurs sans avoir à tout démonter ou sans avoir à accéder au code. Voilà. On va essayer, c'est l'idée.
de base, générale. Et si ça marche bien, eh ben je me chaufferai bien à le refaire moi-même ça. À ma sauce, ça pourrait être cool. Mais bon, vu le prix du driver, je pense que ça serait peut-être une perte de temps. Et je gagnerais pas forcément en efficacité par rapport à ce que ça va me proposer. Voilà. C'est la quête de pas perdu. Que c'est la solution la moins chère. Ouais, c'est clair. Caca 2.1 pour les drones. Ah, elle fait ça. Ah, Iso, vous avez bossé un peu sur Solar Space. C'est celle que tu réalises à partir de récup. Ah non, ça c'est vraiment pas vrai ça. La récup c'est rarement moins cher en électronique. T'as plus de mal des fois à adapter ta solution à un truc de récup qu'à le faire de zéro, hein, honnêtement. Non, pas de soucis, Cador, pas de soucis. Un problème de plaisancier. Ouais, j'ai compris. J'ai bien compris. La récup, c'est très cher. Ouais, bah, Alpha, ouais. on sait de quoi on parle. De pas est si important que ça. En soi, nous, on n'a pas vraiment détecté de problème sur nos robots. Mais en fait, sur nos robots, on a de l'accroche qui est assez importante. En fait, avec nos pneus. Donc, au final, nous, on n'a vraiment pas eu de problème. Je me dis que la perte de pas sur un holonome, ça va peut-être être un petit peu plus problématique. Donc, pourquoi ne pas essayer, quoi. Et disons que si ça fonctionne avec un holonome, je pourrais aussi le mettre en place sur un robot classique, quoi. Donc on verra bien, quoi. Alors, du coup, j'ai mis une vidéo, parce que du coup, voilà. Mais c'était pas avec un MA-23, c'était avec un autre... je vais couper le son. Bienvenido a Mundo 7. D'accord, merci. Pour juste vous montrer un peu le principe, voilà, je crois que à quel endroit où est-ce qu'il teste. Ah, c'est là. Vous voyez, voilà. Le petit, une petite LED bleue qui s'allume derrière quand il voit qu'il y a eu un décalage de pas. Et du coup, le driver va essayer de le récupérer et de se remettre à la position. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Je sais pas si lui, il a montré le... Ah voilà, vous voyez. Ah, j'arrête là. Il y a un petit écran, voilà, où vous pouvez calibrer le capteur, mettre le bon nombre de PID, le nombre de microsteps, etc. Ça veut aussi dire que la carte, la mainboard qu'on a designée l'année dernière et qu'on a installée dans nos robots derrière, on peut la réutiliser directement pour ce robot-là, sans avoir à rien changer. Et juste la partie pilotage des moteurs, on va juste faire ressortir les fils dont on a besoin pour pouvoir piloter 3 moteurs et non plus 2 moteurs. Et en vrai, ça, c'est pas un problème. Et directement faire nos réglages avec ce système-là. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Ouais. Le codeur flemmard. Ce sont des pas à pas intelligents. C'est des cerveaux, ouais, c'est, ils appellent ça cerveau moteur pour le coup, avec un pas à pas. Ouais, moi je suis pas un codeux, hein, tu sais. Moi je laisse ça à mes collègues. Pour être drôle de mettre ça sur une CNC. Bah justement, à la base, c'est fait pour les CNC en fait. Tu peux changer ça sur les imprimantes 3D aussi. En gros, l'idée c'est que c'est pilotable avec le principe dir step enable, etc. Et souvent, ils te vendent ça. Alors je sais pas s'ils le montrent là. Ouais, tu vois, ils te vendent ça avec un demi-driver. Qui est en fait un driver. Attends, est-ce qu'il va te montrer? Voilà, c'est un driver juste avec un connecteur dessus. Donc voilà, c'est juste une carte avec un connecteur. Et tu prends cette carte et tu la relis directement à ce driver, à ton driver en back derrière. Donc ça veut dire que sans rien changer au code que tu pourrais avoir dans un Marlin ou dans un GRBL ou Smoothieboard, ce que je veux, et ben du coup, tu changes les drivers par ça. Et du coup, automatiquement, t'as ce système-là qui fonctionne. Donc ouais, ça peut être intéressant, effectivement. C'est de l'asservissement mécanique. C'est de l'asservissement. Au final, effectivement. Laisse tomber la gravure de PCB, upgrade qui est TXK. Ça pourrait être cool, effectivement. Le
codeur. Mais est un flemmard. Ah, le codeur est un flemmard. J'ai pas compris. J'ai pas compris la blague. Cerveau snapper. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, donc du coup je devrais la recevoir dans pas très longtemps. Parce que c'était un truc livré en 10 jours. Donc il y a possibilité que la semaine prochaine, j'ai la courroie et j'ai ça. Et donc du coup, on pourra faire quelques tests. Et là, ça va être plutôt cool. Un lien à son robot ou un truc plus élaboré. C'est un Teensy, c'est deux Teensy qu'on a. Des Teensy 3.5 et Teensy 3.2. Hop. Qui se programme d'ailleurs, entre autres, avec. On peut programmer avec Arduino. Enfin, en tout cas, avec l'environnement Arduino et les librairies associées. Donc voilà, Teensy 3.5. L'avantage, c'est que c'est des bestioles qui ont plus de pattes que certains Arduino déjà tout faits, et qui vont beaucoup plus vite, qui ont beaucoup plus de mémoire. Et notamment, nous, on utilise une librairie pour piloter les steppers qui s'appelle Teensy Step, et qui optimise du coup le pilotage des steppers avec les Teensy, et qui est un truc assez brutal, et ça fonctionne vraiment vraiment très très bien. Et donc du coup on a les deux, le 3.5 pour tout ce qui est stratégie, etc., et le 3.2, et pour l'IHM aussi, et le 3.2 qui est beaucoup plus petit, si on va regarder le Teensy 3.2, voilà, beaucoup moins de pins, qui lui va être plutôt dédié au déplacement. Voilà, parce qu'on n'avait pas besoin d'un 3.5 gigantesque. Donc le 3.2, lui, on le dédie vraiment au déplacement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le maître, donc le 3.5, va demander au Teensy 3.2, au second, là, à l'esclave. Alors je dis maître esclave parce qu'on est sur un réseau, un bus I2C. Et du coup, le déplacement, l'esclave, du coup, va exécuter l'action et va dire au maître quand est-ce que c'est terminé, et après on passe à la suite, etc., etc. Voilà. Et du coup, le maître occupe aussi de l'esclave, du coup, la partie déplacement, s'occupe aussi de la détection d'adversaires. Donc, ça permet de dire, bah, je suis en A, je dois aller en B, j'effectue ma trajectoire, je vois quelque chose, je décide de soit la contourner, soit d'attendre, soit de dire au maître, bah, j'ai pas réussi à rejoindre ma position parce qu'il y avait quelqu'un, donne-moi une autre position pour pouvoir aller autre part, quoi. Voilà, ça c'est notre stratégie à nous en interne. Des équivalents Raspberry? Non, bah non, 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 non. On est toujours sur du microcontrôleur. Ce que n'est pas le Raspberry. Ce que n'est pas le Raspberry Pi, parce que du coup il y a le Raspberry Pi Pico. Voilà. Du coup on est plus proche d'un Raspberry Pi Pico. Voilà, si jamais on veut une analogie avec Raspberry. Pour le coup. Quand on dit que c'est le site de ta Go. Gotronic. Ah oui! Ah, ouf. Ok, ouais, c'est drôle, effectivement. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Une des meilleures Arduino. Si c'est une des meilleures Arduino, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est très bon. Et le gars qui est derrière les Teensy est vraiment très très bon. Et il fait un super bon taf, quoi. T'as Raspberry Pi qui vient de débarquer. Ouais, voilà. Du coup, c'est pour ça que je venais de voir ça. Mais qui inclut pas tout ce que nous, on a besoin aujourd'hui. Alors peut-être que plus tard, on utilisera des Raspberry Pi Pico. Hein. Pour l'instant, en fait, tout notre dev, il a été fait sur Teensy. Donc on garde Teensy, quoi. On dit patron ouvrier. C'est un micro. Oui, voilà, c'est ce que je disais, effectivement. De stratégie robot, tu connais le jeu Gladiabot? Ah non, pas du tout. Non. Ça me dit rien du tout, Gladiabot. Le SP32, ça vous tente pas? Bah, SP32, en soi. Ça, en fait, ça nous rajouterait à rien, si tu veux. Ça nous rajouterait rien, et je me demande même si ça nous enlèverait pas des possibilités. Je connais peu le SP32, mais si je compare là avec par exemple, je veux avoir un pin-out. Oui, bah par contre, quel SP32, machin, etc. J'en sais rien, mais si je prends celui-ci. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, boum.
tu vois, déjà rien que ça, il y a très peu de trop peu d'analog pin par rapport à ce que nous on peut avoir. Serial pin, je sais pas, est-ce que ça pourrait se remplacer? En soi, oui, pourquoi pas, mais je te dis, ça nous rajouterait pas grand chose, je pense. Faudrait que je fasse l'étude. Si, ça nous rajouterait le wifi, mais on s'en fout, tu vois. Ça nous rajouterait les connectivités sans fil, mais on en a pas besoin, donc. Non, je pense que. On est bien sur Teensy pour le moment. Puis toute notre architecture est dessus. Si je devais avoir un moment besoin de connectivité, ça pourrait être intéressant. Il faudra coder un micro Python pour de la robotique. Oh, honnêtement, micro Python, mais je. Ça me dit pas du tout. Hein. Ouais, C++, c'est très bien. Python, je suis pas un très grand fan de Python. C'est un jeu de programmation nodale de stratégie super. Ah, ok, Gladiabot, je regarderai. De toute façon, il faut pas réinventer la roue. Bah oui, puis surtout, non, voilà, déjà un truc qui fonctionne. Si j'étais pas content d'être Teensy, tu vois. Pourquoi pas hein. Là, pour le coup. Pour le coup, je me dis, par contre, un Raspi Pico. Qui est quand même vraiment moins cher qu'un Teensy, qui en termes de puissance s'apparente quand même à ce qu'on peut faire avec les Teensy 3.2, 3.5. Ça pourrait me faire envie, tu vois. Si jamais on pouvait rebasculer tout notre code et toutes les librairies qu'on utilise dessus, là ça pourrait être intéressant. Mais ça serait intéressant en termes de sous, voilà. Mais ça serait pas forcément intéressant en termes de puissance et de ce que ça peut faire en fait au final. On reste sur un microcontrôleur. Non mais en plus, je vais vous dire un truc. On a choisi un Teensy, mais en vrai, nos robots, on a dans l'idée là avec mon collègue, c'est de présenter un robot, alors peut-être plus pour l'année prochaine, mais un robot un peu le plus simple possible qui tournerait sur des AT Tiny uniquement. Voilà. Donc. Dans l'idée de montrer qu'on peut aussi faire des choses ultra puissantes avec des microcontrôleurs qui ne le sont pas, en fait. Parce qu'au final, ce qu'on fait à la coupe, enfin en tout cas nous, ce qu'on fait avec les steppers, avec nos technos, au final peuvent être réalisés avec des microcontrôleurs qui sont relativement simples. Et après, c'est juste une question de comment est-ce que tu t'accommodes de la techno que tu as en face de toi, en fait. À partir du moment où tu utilises à 100% la techno que tu as en face de toi et que tu n'essayes pas de faire tourner un tank sur une brouette, voilà, ça va marcher. Alors, tank brouette, c'est par exemple mettre une librairie qui n'est pas du tout adaptée, qui est mal codée ou qui serait trop lourde sur un petit microcontrôleur qui peut pas, qui arrive pas à l'effectuer et te dire « Ah bah ça marche pas !» Ah oui, ah, mais bon, si vous mettez une librairie pour mettre une pin à 1, peut-être que c'est peut-être pas intéressant d'utiliser une librairie, voilà. Donc aussi, c'est de montrer ça, quoi. Un thing qui est bien l'échec tout de même, il y a forcément différence de robustesse de la. Peut-être, ouais, effectivement. Le Teensy est relativement fragile, hein, quand même, hein, en termes de niveau de tension. Après, pour tout le reste, voilà, il tourne. Quand les niveaux de tension sont bien, en termes d'alimentation, ça va. Mais un poil de problème sur l'alimentation, si tu. Ton Teensy, il a tendance à sauter assez rapidement. Alors, nous, ça nous arrive pas parce que. Moi, je fais attention à ça sur nos cartes, qu'on ait des bons niveaux de tension d'alimentation. Là, des fois, ils font ça un peu à l'arrache avec des câbles. Oh merde, j'ai inversé. Voilà, c'est fini. Ton truc, il est mort. L'attrait de la nouveauté. Franchement, c'est vraiment pas mon kiff, l'attrait de la nouveauté. En gros, moi, si j'ai un truc qui fonctionne, bah voilà, ça fonctionne. Maintenant, si on me dit, attends, mais il y a un truc qui est mieux, ou qui est moins cher, ou qui est plus adapté à ton besoin, plus adapté à mon besoin, peut-être le plus important, eh ben, je vais me dire, ah, bah ça peut être intéressant, je vais aller dessus. Ou alors, mon truc est limité, je dois le changer, quoi. Mais toujours rechanger parce qu'il y a de la nouveauté, honnêtement, moi ça me fait pas trop kiffer, quoi. Ça permet l'OTA, beaucoup de flash et de RAM. Ouais. Ouais, mais voilà. Après, il y a d'autres microcontrôleurs qui sont bien plus puissants que Teensy, hein. Mais déjà que le Teensy, c'est overkill pour ce qu'on fait, alors tu vois. Ouais, mais micro Python, moi je suis vraiment pas fan.
Par contre, le Pico tourne aussi en C++, mais il y a encore très peu de dev dessus. Alors, je pense que la communauté autour de MicroPython, autour de Raspi, va faire que plein de choses vont être développées très rapidement, un peu comme ce qui s'est fait sur Arduino. Donc, je pense que dans un an, on en reparle, et à mon avis, le Pico en C sera un bon truc à utiliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore assez balbutiant. Puis, apparemment, il y a des soucis sur la carte aussi, sur la board directement, le PCB, il y a des petits soucis. Donc, vous voyez, c'est un lancement, quoi. C'est un lancement. C'est le codeur qui fait la différence. Bah oui, tout à fait, Rickson. Tout à fait. C'est le codeur et la connaissance du matériel sur lequel il code. Pour le Pico, c'est plus. Oui, bah voilà, du coup, là, X, j'ai répondu à ta question. Effectivement, tu l'as. C'est sa connaissance du hardware qui va faire que. Et de la plateforme, qui va faire que le codeur, il va se dire, bah, je peux. Utiliser à 100% telle ou telle fonctionnalité, quoi. Problème des méga cartes parce que ça peut obtenir. Bah voilà, on est complètement d'accord. Le mieux, c'est ce que tu maîtrises. Effectivement. Asperger 2 pour consécuter les. T'as pas le droit. Mais ce serait marrant, mais ce serait un peu triste pour les autres, moi je trouve. Moi je suis un gentil lapin, hein. Pas attaquer les robots. Vous savez, même mon robot de combat, il est pacifiste. Déjà, ce qui est important dans les microcontrôleurs, c'est la fréquence de la puce. Bah. Oui et non, c'est-à-dire que avoir une puce qui tourne à 160 MHz. Franchement, ça sert pas souvent. Hein. C'est vraiment sur des utilisations très particulières. Hein. Si ton code il est bien optimisé, il y a plein de trucs que tu fais tourner sur des tout petits microcontrôleurs. Hein. Mais encore, voilà. Et vous pensez quoi de circuit de Python? honnêtement, Python c'est un monde que je connais très 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 peu. Timsy. Non, pas Patrick Timsy. Et sur de la maturité. Il est aussi chez Ariane 5, c'est chez Ariane 5. Twitter, c'est un. Bah oui, non, mais ça ne me surprend pas. Non, mais on. Comment dire. Après, c'est cool hein, d'avoir des microcontrôleurs qui sont un peu plus puissants parce que. Pourquoi on a utilisé des Tinsy aussi? C'est parce que des fois, ça peut nous permettre de faire du code à l'arrache, pas optimisé, à la coupe, parce que t'es crevé, parce que t'as pas le temps d'optimiser ton truc. Tu fais un truc brut et. T'as tellement vite que, effectivement. Ça va marcher, quoi. Mais il y a une différence entre avoir du matériel, le prototypage qui te permet à un moment de faire des trucs bruts parce que t'as pas le temps, parce que tu veux tester un truc, et le fait d'utiliser des outils plus adaptés, peut-être du coup moins performants en termes moins rapides, on va dire, si on parle de rapidité, parce que pas moins performant, mais moins rapide, mais du coup... de passer un peu plus de temps à optimiser ton code, parce que derrière, bah, peut-être que c'est une solution que tu vas devoir produire, et donc si tu le produis, bah, il faut que tu utilises des composants qui coûtent pas forcément très cher, qui soient adaptés à tes besoins, et donc du coup, bah, peut-être pas forcément le microcontrôleur hyper cher du moment, ou un truc qui n'existe plus aussi, parce qu'il y a des choses aussi qui sont pas puissantes, mais comme elles n'existent plus, elles ont le prix de la rareté, et donc du coup sont plus chères que des microcontrôleurs récents qui sont beaucoup plus puissants, il y a ça aussi, hein, voilà. La question du temps de développement, c'est-à-dire redévelopper sur des nouvelles plateformes, c'est aussi s'empêcher de pouvoir de performer sur celles sur lesquelles on était en train de travailler. C'est rare d'avoir des... de plus rien avoir à voir sur un microcontrôleur ou une famille de microcontrôleurs parce que t'as tout vu, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont en capacité de te dire « Oh, mais moi, cette famille-là de microcontrôleurs, je les ai déjà vus à 100%, je passe à autre chose, quoi. » J'y crois pas trop. Salut, Fredo. Ouais, voilà, adapter la puce. Ouais, je pense qu'on a tendance à trop vouloir utiliser des trucs trop hardcore en termes de puissance et pour faire des choses des fois assez simples et de revenir sur des technos un peu simples, un peu simplistes, un peu ça a du bon aussi, je pense.
Explosion cosmique, shot transistor à double. Ouais, voilà. Alors, oui, alors du coup, la robustesse, elle se fait pas au même endroit chez Ariane. Bah oui, bah voilà, ouais. Et parce que ils allaient pas se retaper tout le dev, le debug et le code. Ça leur coûterait, à mon avis, plus cher que juste de racheter la puce ou même de racheter la ligne de prod qui fait la puce, puisque ça peut arriver, juste pour continuer à utiliser leur système, hein, c'est clair. Z80, tu peux m'appeler. Si je suis descendu jusqu'à ce niveau-là, ouais, peut-être. Ça, c'est un peu trop bas, peut-être. Ouais, bah si t'aimes bien effectivement le langage machine, PIC c'est très bien, moi j'ai commencé avec PIC, pourquoi pas, et on faisait des robots qui étaient très performants à l'époque avec ça, et aujourd'hui quelqu'un qui a un Raspberry Pi, mais qui, je sais plus qu'est-ce qui disait ça, mais qui code Nawak dessus, son truc il a beau être un milliard de fois plus puissant, marchera pas. Hein. Vous allez mettre un Jetson Nano codé en CUDA. Bah non, du coup, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va surtout pas faire ça. En tout cas, pas pour nous. En tout cas, on a vraiment pas besoin. Ouais, 8000, c'est le CPU de la Megradeye. Bref. Non, mais du coup, si on revient un peu sur nos cacahuètes, dès que je le reçois, eh ben, on le teste. On le teste. On va essayer ce petit truc-là parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Et si ça marche bien, et ben d'un point de vue électronique, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir grand chose à faire sur notre robot. La partie à redévelopper, ce sera plutôt la partie mécanique, quoi. Donc on va pouvoir réutiliser toutes les cartes qu'on a déjà faites, et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que la partie électronique, c'est aussi des fois quelque chose qui prend un peu de temps en termes de développement, et comme on a déjà une solution qui fonctionne et qui est déjà stable. On va pouvoir avancer plus rapidement dessus. Elle va peut-être être un peu grande, la carte qu'on a développée. Ce sera à vérifier, ça, tiens. Non, parce qu'on l'a changé, maintenant la carte est plus petite. C'est vrai qu'on avait fait un live là-dessus. Donc elle pourra s'intégrer dedans très facilement, quoi. Ces F84, ah là là, ah oui, nostalgie, mais grave. C'était pas mon. Je sais plus ce que c'est. C'était mon premier microcontrôleur, mais le CF84, c'est celui sur lequel j'ai appris à coder en langage machine, quoi. CF84, mon dieu. Ça. Il y a de la nostalgie, ouais. Bah, salut, Cador. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Ah oui, oh mon dieu. C'est vrai que le 555, nickel, hein. Parce que, pour le coup, le 555 rigolait pas, mais j'avais fait un projet d'ouverture de porte automatique basé uniquement sur un NE555 et des portes logiques. Le système, c'était très con, hein. C'était un moteur, donc c'était une roue vissée sur la porte. Et quand on ouvrait la porte, il y avait un capteur qui se déconnectait. Et donc, automatiquement, boum, ça s'ouvrait, il y avait une tempo, et ça se refermait jusqu'à ce que ça refasse contact. Et ça, uniquement avec un N255 et des portes logiques. Et ça marchait pas mal, hein. Ça marchait pas mal. Alors, c'était par programme, par contre. Enfin, difficilement, quoi. Mais c'est possible. Avec deux transistors de M2. Fini tes commandes d'appel. Ah ouais, un F84? Non, 16F84. Un F, ça existe? Je me souviens plus. Timer de tous les bricoleurs, mais grave. Tu peux forcément le faire avec un 555. Obligatoirement. Il y a un mec qui a fait ça, une carte Arduino avec juste le NE555 au milieu. Je sais plus. Bon, c'était une connerie, hein. Mais ça m'avait fait beaucoup rire. Bonne nuit, Blogmotion. Merci à toi. Merci d'être passé. C'était cool. Bon, messieurs, dames. Ah oui, 16F. Ok, parce que je dis un F84. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la gamme, mais ça me semblait pas exister, quoi.
Bon, en tout cas, bah, du coup, ça a fait plaisir, cette petite chill là, à la fin sur les microcontrôleurs. Je pense que la semaine prochaine, on se fera un... Enfin, j'espère qu'on a reçu... Si on a reçu la carte et la courroie, on pourra se faire un petit test de mise en route du moteur. Moi, je vais continuer un petit peu à avancer sur la modélisation, je pense. Je vais essayer de refaire ça un petit peu. Hein. Essayer de retrouver une manière de le faire correctement, peut-être de retester aussi d'autres systèmes d'assemblage dans FreeCAD, peut-être le faire avec autre chose que Assembly 4. Bref, il faut que voilà, faut que je m'y mette un peu plus intensément sur la partie assemblage, parce que là sur un robot ça va commencer à être des gros sous-ensembles, donc à voir comment on gère ça. Et du coup, alors c'est pas annulé la coupe, hein, c'est décalé hein, à juillet. Et du coup, bah moi je vous propose c'est de vous retrouver du coup la semaine prochaine. Alors on va regarder un petit peu. Est-ce que vous avez les votes? Qu'est-ce que ça donne au niveau des votes? Regardons ça. Alors vous êtes à... Je vais le sortir. Oh, 25 pour les vendredis, 20 votes, donc 49% pour le vendredi, 39% pour les samedis, le soir, et 12% pour les samedis matin. Clairement, votre horaire, c'est pas le samedi matin. Donc ce serait plutôt ou les vendredis ou les samedis soirs. Eh bien, écoutez, c'est noté. Donc, comme je disais au début de live, du coup, le prochain live, ce ne sera pas dimanche prochain. En tout cas, c'est fort probable que ce ne soit pas dimanche. Est-ce que ce sera vendredi? Est-ce que ce sera samedi? J'en sais encore rien du tout. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne, de vous abonner sur Twitter et d'aller sur le Discord si vous voulez savoir à quel moment je ferai mon live et les dernières infos. Donc j'essaierai de prévenir relativement tôt dès que j'en sais un peu plus en fait, parce que là du coup les geeks le matin il y a peu de chance il y a peu de chance que je le sache assez vite quand même, mais voilà. Du coup suivez tout ça et puis comme ça vous aurez la date du prochain live. Je pense qu'on essaiera les deux, le vendredi et le samedi, on verra un petit peu ce que ça donne, et puis en fonction de ça on reprendra un créneau régulier et on choisira ce qu'il faudra. Mais je pense que je vais garder le 22h, le 22h me semble bien, le vendredi tout est permis bah, sauf de sortir après 19h et tous les autres jours de la semaine aussi d'ailleurs. Bref. Alors, qui c'est qui a... Oh, il y a Talus en live, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, je vous propose d'aller chez lui, faire un petit coucou au protopote pour terminer le stream. Alors, est-ce que il va accepter que je fasse ça? Nickel! Impeccable. Eh, écoutez, merci à tous et à tous pour ce live. On décale bien l'heure. Ah oui, c'est vrai. On raide de la science en français, bien sûr. Talus, ouais, Talus, c'est ça. Il est en live, hein. Parce que la semaine dernière, on a raidé quelqu'un qui n'était pas en live. Ça, c'était bien. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais si, on va lui faire un petit coucou, on n'a jamais fait de raid chez lui. Ça va lui faire plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée à vous. Encore merci, et puis on se retrouve la semaine prochaine ou pendant la semaine sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à hein, suivre tout ça. Je laisse le petit poll là encore actif quelques jours si vous voulez continuer à voter, ou si les gens qui nous regardent en différé veulent également voter. Et puis bonne soirée et à tout de suite avec Talus. Salut. Je proposais Talus. Paul. Ah, c'est le Paul, c'est pour voter. Voilà, le vote. Je dis Paul parce que ça s'appelle Paul, mais bon, voilà. Salut. Et non, pas Paul emploi.